people keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back. People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back. Là, un minimum. Un petit peu plus. Voilà. C'est bien ça. Bon. Oh putain, oui. Je range mon bordel. J'ai du bordel à n'en plus finir. Du bordel. Du bordel partout. Alors. Excusez-moi, je vais te trouver. Casse tout, j'en ai marre. Ok.
Bon. Alors, je suis autour de congé. J'ai pris des petites semaines. Petit truc très très cool. Putain, ça faisait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un congé aussi. Aussi bon. Aussi plaisant. L'année passée, c'était pas top parce qu'il y avait du confinement. Bon, là, il y a encore le confinement, c'est la fin du confinement, donc. Prout. Mais je me suis bien éclaté. J'ai un peu beaucoup glandé. Bien glandé. J'ai pu me rattraper dans ma lecture de livres. J'ai pu jouer à des jeux. D'ailleurs, j'en ferai d'autres. Mais en live. Pour l'instant, on va repartir sur GTA. Avec 5M et Frédéric Fou. Non, pas Frédéric Fou, Frédéric Fou, c'est fini. Gregory Sandman. Puisque Gregory. Bah, il revient en fait sur la piste. Enfin, parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas été. À peu près 2 semaines. Parce que j'avais beaucoup la flemme, parce que j'ai fatigué sur beaucoup de trucs, pas par rapport au serveur précisément, mais c'est juste que moi perso, j'ai juste fatigué en fait. Faire du 5M H24, il y a un moment j'ai saturé. Salut Nico! Ça va? Tu vas bien? Bordel chez moi. Merci. Cool. Tant mieux. Tant mieux. Je vais devoir ranger mon bordel. Je vais me motiver à ranger mon bordel. Un jour. Je vous dis pas quand, mais un jour, je rangerai mon bordel. Bref. Alors, techniquement, si je fais ça, que je fais ça, je ne devrais pas avoir de problème de connexion. Ouais, la bonne vieille procrastination. C'est pas grave, c'est pas du portal. Pas que ton tel se sort pour le temps de se débarrasser. Alors. Ok, j'ai pas son caméra. Faudrait que j'aille ici ça parce que je vais avoir besoin de ceci ça ouais ça ok nickel Bon, j'espère juste que ça n'a pas à voir avec la musique. Alors, on va juste corriger ça. Non, il faut aussi que je fasse ceci. Et c'est reparti. Non. Toujours les bons trucs à faire.
Ah, j'ai repris avant le taf, là. J'ai remarqué un petit problème. Un instant. Ouais. Et voilà. C'est mieux comme ça. Bon, est-ce qu'on doit enlever le problème ou pas? D'autant qu'il faut que je revérifie parce que je sais plus ce que j'ai, c'est dans mes putains de véhicules. Ok, ça va. Sur moi, j'ai pas tilté. Encore ça. Non, il faut que je vois un truc. Allez. On va se... Ah. Oui, je peux faire ça. Alors, est-ce que je peux faire un truc? Ou alors. T'as pas autre chose? Ouais, ça peut-être.
Ouais. C'est pas top, hein, mais non, non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà, ça c'est bien. Ok, ça va. Je vérifie que mon temps en jeu. Salut mec! Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Oui, t'as changé de tenue? Ouais. Henri, il veut normaliser plus ou moins quand on va au bar, du coup, bah, j'ai changé de tenue. Ok, ça va. Tu sais encore quand aura lieu l'enterrement du patron? L'enterrement a déjà eu lieu la semaine dernière. Tu vois avec Henri parce que moi j'étais pas là. Mais ça s'est fait un peu de. Non, ça s'est fait le même jour en gros. Son décès a été annoncé. Son décès a été annoncé vendredi. Il a été enterré vendredi. Il y a eu une soirée de commémoration au Yellow vendredi. Ouais, d'accord. Bon, alors j'ai mal compris le message que t'as eu sur le serveur. Je pensais que ça avait pas lieu encore, ou qu'il avait lieu ce soir, en fait. J'ai mal compris. Ah non, si, il a déjà eu. D'accord, ça va. Ok. Oh, Silo, ça a été les vacances? C'était pas vraiment des vacances, mais bon. Ça a été. Et sinon, il s'est passé quoi depuis? Le Yellow devrait bientôt changer. Il va changer de nom, il va changer aussi d'apparence. Il y a des architectes qui vont passer pour modifier le Yellow. Ok. Il y a Victor qui est rentré au Yellow aussi maintenant. Ah, il est plus avec les taxis? Non, 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 Karl ne fait plus partie des taxis, il est maintenant EMS. D'accord, ok. Ah bah je sais pas pourquoi, mais bon. Ben écoute, il y a des gens qui changent de métier comme de chemise, hein. C'est moi, je connais ça avec mon frère qui change de gonzesse comme de chemise aussi, mais c'est un petit peu différent, quoi. Bref, ok, d'accord.
Voilà, et puis il y a le gouverneur maintenant, enfin une gouverneuse, Madame Harrison, qui est la patronne du Unicorn. Ouais, ça j'avais entendu. Bah, c'est qui devait être patronne de toute façon, enfin qui devait être gouverneuse. Gouvernail, je sais plus comment ils disent. Bref. C'est elle qui devait être là à la base aussi, hein, et pas l'autre Enola, quoi. Et puis voilà, bah c'est tout ce que j'ai en tête pour l'instant. Ok, d'accord. Ah tiens, j'avais entendu parler de cette histoire-là d'élus de peuple ou je sais pas quoi, là, où la gouverneuse elle voulait genre qu'il y ait des gens de chaque entité, de chaque société en fait qui fassent une réunion de conseil et je sais pas tout quoi, et je sais pas compris. Ça te dit quelque chose ce truc ou pas? Ouais, c'est les élus des entreprises, ouais, c'est un peu casse-couille. En gros, chaque entreprise doit élire un représentant des employés. Et leur représentant, il doit participer aux réunions. Il y a une réunion par semaine. Le réunion du Yellow, il a déjà le représentant du Yellow, il a déjà été élu. Et un des nouveaux, Fredo, il farme pas mal, enfin, il travaille pas mal. Bon, il était pas là hier, alors j'y suis allé. Je t'avouerai que c'était un peu de la merde, parce qu'il y avait beaucoup de patrons d'entreprise. Du coup, c'était surtout une réunion bah, patron d'entreprise. Finalement, ça tournait comme ça. Du coup, je me suis barré. Franchement, j'en avais plus rien à foutre. Je me suis barré. Ouais, non, je vois genre. Après, c'est un peu libre. Alors, si t'y vas, tu dis je travaille là, voilà. Harrison, je pense qu'elle te laissera rentrer. Ouais, ben ça, on verra de toute façon comment ça se passe. Je voulais juste savoir en fait comment ça fonctionnait en fait. Parce que ça semblait être une bonne idée, tu vois, genre qu'on puisse avoir notre mot à dire, tu vois, un petit peu, tu vois, minimum. Bah ouais, mais bon, là il y avait des patrons, donc bah ça discutait entre patrons, argent, tout ça, alors je n'avais pas grand chose à foutre, je me suis barré. Ouais, je vois le genre. Tu Ah bah. sais si Henri va venir aujourd'hui? Je sais pas du tout, là je t'avoue, moi l'emploi du temps d'Henri, je le suis pas trop. C'est probable qu'il arrête peut-être un peu plus tard dans la soirée. Je lui enverrai un message. Voilà. Et je sais pas si t'étais parti ou non à ce moment-là, mais il y a le Weasel qui a été repris. Là, j'étais pas au courant, mais c'est pas Henri Black hein, qui l'a repris, non? Ouais, c'est Harry Black qui a Henri repris le Black. Weasel, qui Ouais, sort ça, je suis un bien petit au peu plus courant, grand. ça va, ça, je suis bien au courant. Voilà, c'est. Fait. Tes souhaits. Pardon, excuse-moi, j'ai bien. Je C'est vais le boire à côté, donc le ça mec qui me m'aille. rote au visage, genre. Des os en fait, là sur le coup, ça m'a échappé, ça me s'est sorti tout seul. J'ai pas trop de gars, je bois trop de bons gars en fait. Ouais. Donc tu disais. Ah oui, je disais, en ce moment, faut faire gaffe à ces bagnoles parce qu'il y a pas mal de vols de voitures, de vols de contenu de coffre et les règles sont pas trop respectées. Donc, Victor, il s'est fait voler l'entièreté de son coffre, par exemple. Donc, c'est pas terrible, il a perdu 3000 bouteilles à peu près. Ah ouais. Donc, ben, 3000 bouteilles, plus après tout ce qu'il avait dedans, donc kit de réparation, bouffe, etc. Il y a des vols de voitures aussi après la réunion du gouvernement à Skip. Il y a eu des voitures qui avaient été volées. Enfin, il semblerait qu'il y a un petit trafic là qui commence à tourner. Ça devient un peu chiant, je t'avouerai. Bon, voilà. Et les flux sont encore en fait, ils se bougent le cul quoi, non? Quoi. Bah, la dernière fois que je les ai vus, ouais, ils sont là en force. Il y a eu une grosse période de recrutement. Ouais, il y a pas mal de keufs. Après, j'ai aucune idée de s'ils sont souvent là ou non. Ok, Je t'avouerai que je les croise aussi rarement que ce que je peux croiser, je sais pas, moi, un ovni. d'accord, ça va. Bah, comme d'habitude, quoi, ils sont pas. Ils sont pas présents. Ok.
Et sinon, Lielo, y a des clients qui passent souvent, plus souvent? Non, en ce moment, c'est un peu désert, je t'avouerai. Il n'y a pas trop de monde en ville. De temps en temps, il y a quelques clients qui viennent passer, mais c'est pas foufou. Voilà. Là, on tourne surtout avec l'argent de la production et vente aux grossistes. Et puis voilà. D'ailleurs, il faudrait que je me mette parce que j'ai pas fait mes quotas, en fait, là, maintenant. Bon, et tu vas dire, j'ai déjà fait mes quotas pour les 50 semaines avant. Mais... Oui, bon après de toute façon je pense que c'est toi qui tu enfin, faut que tu vois avec Henri, hein, c'est pas à moi de dire quoi que ce soit là-dessus. Non, je verrai avec lui de toute façon pour ça. Son niveau fric, j'ai plus vraiment besoin moi de mon côté, j'ai déjà mon véhicule. La seule chose qu'il faudrait. Ah mais c'est vrai, il faut que je rachète un putain d'appartement. C'est ça qu'on veut faire avec lui. Où je vois. Bah après avec les nouveaux archis là qui vont passer pour refaire le yellow. Il devrait y avoir un appartement à étage supérieur, tu sais, il y a une porte là derrière. Ouais, non, j'avais vu en fait. Henri m'avait montré des plans. Il m'a envoyé des plans pour lui. Ah, bah voilà. En gros, là-haut, là, il devrait y avoir un appartement qui serait utilisable par nous. Ouais, ça peut être bien. Ça avait l'air assez sympa, donc à voir. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Toujours les clodos qui sont toujours au même endroit en fait, j'y pense. Ah ouais, fais attention parce qu'ils sont de plus en plus violents. Quand c'était hier, on a fait une grosse tournée avec Victor et Henri. Au niveau de la production de whisky, on a dû produire 6000 bouteilles, un truc dans le genre, en tout. Et en arrivant dans le bar avec Victor, si tu veux, on a bousculé un. Je me suis pris trois mecs armés qui m'ont tiré, je sais pas, j'avais peut-être 7-8 trous. Ils sont un peu violents en ce moment. Ah ouais, d'accord, ok. Donc si t'as moyen d'avoir une batte, bah écoute, certain, hein, parce que là je t'avouerai que... J'en ai en fait, j'aime mieux si nécessaire, donc... Ouais bah voilà, fais gaffe parce que ils sont vachement violents. Je vois que sur une journée, il devait y en avoir peut-être 7-8 qui nous ont pointé avec un gun. Ouais. Et bah heureusement qu'Henri... Henri était là, parce que vu que lui il a son PPA, il a pu nous défendre et les déglinguer. Bon après le problème c'est que ça fait coup de feu, du coup ça prévient les flics, enfin, c'est relou. Ah mais les flics sont intervenus ou pas en fait par rapport à ça? Non, ils étaient en train de, bah, je sais pas, ils étaient retournés sur le continent, enfin comme d'habitude ils sont pas là. Ouais, de toute façon ça ils tentent que dalle, donc qu'est-ce qu'on en a à foutre quoi, c'est... Nous on se défend, tu vois, on se fait agresser, on se défend quoi, point, c'est... Ouais, et quand ils viennent, bah ils cassent les couilles. D'accord, ça va. Tiens, les épidémies de grippe, j'ai cru comprendre que c'était fini, qu'il n'y en avait plus, ou plus des masses. Les quoi? Les épidémies de grippe et de maladies. Non, Oui, attends. Il y a une petite campagne de vaccins. Du coup, on est de moins en moins sujet à la maladie. La maladie, bon après, si tu chopes la maladie, du coup, elle est moins violente, parce que des fois, bah, tu canais très rapidement. Du coup, là, elle est juste un peu moins violente. J'avais cru comprendre. Bah, c'est bien. Après, du coup, t'as quand même des actions hein, qui font que tu vas plus être sujet à choper une maladie. Hein. Si tu fumes sa mère, forcément, hein, faut pas s'étonner si tu chopes une toux, quoi. Ouais, non, ça je comprends. De toute façon, moi je fume plus. Donc... Mais est-ce que c'est Picard là Peut-être lui. C'est possible. Il y a le mécano en ville qui a réouvert aussi, quelqu'un l'a repris, là, il me semble qu'ils sont deux à avoir repris le mécano dans le centre-ville. LS68 est toujours ouvert avec Marco et je crois que c'est Nanar, je suis plus sûr. Il y a deux, ils sont deux, trois. Vigneron, bah, ils sont toujours aussi riches. Je pense globalement, voilà, c'est tout ce qui s'est passé depuis que t'es parti en vacances. Ok, ça va. Bah, c'est pas mal de journaux en fait. Hein, c'est cool. Ouais, c'est déjà pas mal d'infos. C'est déjà pas mal, ouais. Cool. Bah, dans des lacs, les lieux vont changer. Hein, Ouais, on aura un billard au-dessus. C'est plus aussi dégueulasse. Putain, il y a des traces de sang partout. Ouais, il y a toujours des traces de sang. C'est un peu. Non, il y a quelqu'un. Partir. Mais j'ai appris qu'on pouvait faire bouger les boules du billard. Hein, bientôt même, d'ailleurs. Ah, t'es revenu de vacances. Il y,
en vrai qui arrive. C'était vraiment des vacances en vrai, mais ouais. Ah, c'était quoi? T'as fait du bien au moins? Ou je sais pas, t'as fait quoi? Si on veut, en fait, si tu veux, on en parle tout à l'heure. Ok, Je t'es où? te laisse Je aller viens te voir chercher parce avec qu'il le y a plein de patron. trucs que je dois te dire. Je suis au bar. Oh, yellow? Je suis avec Mel. Ouais, je suis avec Mel là pour l'instant. Avec Mel, ok, mais j'arrive. Ça passe. Ok, ça va, nickel. Ouais, donc tu disais en fait. Ah bah avec là en plus les architectes de la V4, on skip, on pourra bientôt jouer au billard. Maintenant il n'y aura plus besoin de s'éclater la tête contre le billard pour pouvoir bouger une boule. Ah, pas mal, pas mal. Intéressant. Plutôt cool. Voilà. Bah, du coup Henri il vient de se réveiller. Ouais, il vient m'appeler là maintenant à la radio, donc ouais. Ok. Quelle heure? 8h30. Tu veux une clope? Non, je fume pas. Ok. C'est Henri. Wouah, le brûleur, la classe! Ah, il a changé les couleurs. Wouah, putain, mais ça déchire et Bah, tout! tu peux changer la couleur. Moi, je décide que c'est les nouvelles couleurs pour les. Oh putain, ça c'est bon. Tu me donneras les couleurs? Ouais, bah, tu iras chez Marco, tu dis que tu veux la même couleur que les miennes, il connaît. Ah, parfait, parfait, parfait. C'est vert émeraude et orange foncé. Vert émeraude C'est beaucoup mieux, orange hein. foncé. Ouais, putain. Bon, alors, bah déjà, bon retour, grec. Ouais, merci. Donc, Mel fait partie des Norse, mais il est juste le comptable. Il veut savoir rien d'autre que la comptabilité. Ça marche. Comme ça, tu sais. Enfin, il veut pas salir les mains, enfin, tu vois le truc. Mais bon, il va nous aider pour la Non, pas de soucis, comptabilité. pas de problème, ça va. Alors, ensuite, on a changé de business. On s'occupe du blanchiment, maintenant. Ok, c'est une chose. Ouais, blanchiment et le recel. Je vais te montrer les deux points parce que quand je serai pas là. Et alors, t'as Victor qui nous a rejoint aussi. Officiellement? Officiellement, oui, bien Ok. sûr. Parce qu'on était. Vu que tous les autres ils viennent plus, ils ont tous disparu. C'était un D'accord. peu l'hécatombe. Donc voilà. Ok, nickel, pas de soucis. Et alors, on va avoir un nouveau yellow. Je t'ai Oui. montré hein, les plans. Tu m'as envoyé les plans, ouais, ça. Ah, c'est sympa, ça va être sympa, franchement. Ça va être cool, ça va être cool. Ça va être nettement mieux qu'ici. Voilà. Et alors, le reseller, on peut vendre notre whisky là-bas. Ah, ok, pas mal. Mais ça fait. Donc, c'est 20 dollars, mais en gros, ce qu'on fait, donc je demande à tous les employés du Yellow de mettre X bouteilles dans le frigo et on va vendre ça au reseller pour mettre pour les caisses des Norse, tu vois, pour le blanchiment. Ça marche, ok. Parce que ce que moi, je veux, c'est qu'il y ait assez de fonds dans la caisse des Norse. Pour que quand un client vient faire blanchir son argent, on peut lui donner directement et nous, on peut aller à notre aise. Qu'on soit pas pressé sur le moment à devoir courir pour lui donner et le faire attendre. Ah, je suis d'accord, ça peut être bien. Ok. Voilà. Et Mel doit faire un tableau dès qu'il a le temps pour le blanchiment. Ouais, non, je comprends, Et t'inquiète pas, c'est. on a un excellent travailleur, Alfredo, qui a fait du 220%. Sérieux? Si j'accepte. Ouais, hein, Alfredo, Mel. Ouais. C'est du Il bien râle, ça. il râle, mais il râle parce qu'il voudrait le rattraper. Oh ouais, c'est impossible. Alors, c'est. C'est faisable. Techniquement, c'est faisable. C'est Bah, chaud, c'est mais c'est faisable. faisable. On était à 3, je sais pas, c'était dimanche, comme il n'y avait rien, on était à 3 faire du whisky. On a fait combien de bouteilles, Mel? 6 000? 9 000? On a divisé ça. On a dû faire un truc dans le genre, ouais. Ouais, 9 000 divisé en 3, mais c'était bien. Donc, il y en avait 6 000 pour les Norse et il y en a eu ben, Mel a vendu normalement pour qu'il ait son salaire C'est et qu'il vrai? remplisse les caisses du Yellow. Parce que les travaux du Yellow vont me coûter 150 000 dollars. Enfin, ça, je prendrai de la caisse du Yellow de toute façon. Ça marche. Ok, nickel, pas de soucis. Ok, ben, je vais te montrer les points alors. Bah écoute, je te suis. Ben, tu viens avec moi en voiture, hein, Ouais, comme ça nickel, tu nickel, retiens. pas de soucis. Mel, tout à l'heure, ouais.
Oh, attends, j'ai oublié un truc. Comme je t'ai dit, mais le jour où tu veux t'impliquer plus, je te montrerai, mais jusque là. Pas de soucis. Moi tu sais mieux c'est. Pour l'instant, oui. Ouais, pas de problème. Bah voilà, non, mais le jour où t'es motivé, tu le dis et à nous, on te fera la visite, quoi. Ça m'a. Ouais. Ok, parfait. Allez. Ah oui, je te montrerai la tenue qu'on prend pour faire le blanchiment. Ça marche. Parce que j'ai décidé, je veux que les Norse et le Yellow, qui va plus s'appeler Yellow, on va l'appeler le Lucky Seven. Ok. C'est un chouette nom. Je veux que ça soit un peu plus chic, tu vois. Non, je comprends, pas de problème. Ouais, donc tu sais que Jack est mort, hein. Ouais, j'ai appris, oui, tout à fait. Ouais, j'ai fait rapatrier son corps sur le continent pour qu'il soit avec son cousin, tu vois, qu'il est avec son cousin. Ah, avec les restes de son cousin. Non, je comprends, parfait. C'est mieux. Là, c'est le... C'est le reseller. T'as du whisky sur toi ou pas? Pas sur moi, non. Ah, je te filerai une bouteille pour qu'essaye comme ça, tu vois. Ça marche. Donc, ce qui m'embête, c'est que tout ce qu'on avait fait comme cambriolage, tout est dans la bagnole de Kevin. Il ne vient plus, tu vois. Donc, ça m'ennuie. Faudrait qu'on essaye de récupérer ça. Oui, tout à fait. On va voir avec lui. Ah, c'était pas pour Kevin, c'est oui, on devrait demander, faire une demande. Ou toi, peut-être faire toi la demande. C'est possible, ouais, ça serait juste pire en fait, il revient un petit peu, enfin quand il a la possibilité de revenir, je sais qu'il a un souci sur le continent. Ouais, il a de gros soucis. Ah ouais, non, tu fais changer les couleurs de ton brawler, elles sont trop bien ces couleurs là. Hein. Elles sont vraiment chouettes, vraiment très chouettes. Ah ouais, on a trouvé ça durant ton séjour. T'as fait quoi exactement durant ton séjour? Exactement, j'étais revenu sur le continent parce que le père d'un ami est mort en fait. Ah oui. Je t'avais parlé, je pense, de Frédéric Fall en fait. Ouais. Le gouverneur. Oui, juste. Bah, j'ai dû justement aller à l'enterrement, en fait, je sais pas, c'était un ami, donc... Ah, il s'est fait tuer, lui? Bah, en fait, non, il s'est pas fait tuer, lui a dû partir, en fait, de son côté, en fait, sur le continent. D'accord, ouais. Parce que son père est mort, en fait... D'accord, il t'a été avec lui, ouais. Ils ont que j'étais avec lui, en fait, pour... Alors, note bien le point, c'est ici. Ok, ça va. Le reseller, tout le monde y a accès, hein, si quelqu'un trouve. Ok, d'accord, ça va. Pas de... Je vais te donner une bouteille de whisky, tu vas faire le thé. Ok. Okay. Donc, ouais, là, en fait, c'est ça. Donc, en fait, je vois. Il achète ça, il achète le grand. Ouais, d'accord. Donc, si tu sais voler des bouteilles de grand cru ou les avoir en dessous de 30$, ça m'intéresse. Ouais, y a moyen, ça peut s'arranger. Ouais, bah, ça serait bien. On fait un braquage en fait, on s'arrange à savoir comment ils passent pour leur truc et. Ouais. Ben, ça peut s'arranger quoi, non? On peut essayer, ouais, mais bon, pour le braquage, il faut qu'on soit un peu plus. Ouais, maintenant, je vais te montrer le blanchisseur. Par contre, j'ai pas d'argent à blanchir, donc ça va être compliqué. Je vais te montrer le point où il. Mais au moins, si je vois le point, si je vois ce qu'il est exactement, je pourrais le voir si j'ai de l'argent sale, quoi, tu vois. C'est, genre, si je vois de la drogue, etc., et que j'ai de la salle, du sale sur moi, je vais le voir, je lui file le fric, et puis c'est time, quoi. Ouais. Ah oui, tiens, je tiens à préciser, en fait, je serai probablement moins présent... C'est du prochain jour en fait, c'est juste que j'ai juste besoin du temps pour moi en fait, de mon côté en fait, sur le côté comme je reprends le travail sur le continent. Bah, si, mais tu me dis quand tu reviens, enfin quand tu vas revenir plus régulièrement. Bah, je vais essayer d'être là les lundis ou jeudi, vendredi, sur un truc, genre de truc, tu vois, comme ça, ou samedi aussi, tu vois, je verrai en fait, tu feras les jours, essayer d'être là 3-4 jours semaine en fait, de manière générale. Ouais, ça va, nickel. T'as vu le point là? Attends, pour le GPS. Ah oui, d'accord, là. Ok, non, je vois. C'est dans une maison, bon, allez jusque là, de toute façon. Pas de problème, on y va. Tu regarderas si personne nous regarde à l'arrière. Ça, je te montre le point carrément. Je te montre la maison. Ouais. Non, y a pas de souci. Bah écoute, tu m'as prévenu, c'est bien. Si tu viens déjà 3-4 jours semaine, c'est bien. Ouais, non, toi, tu sais déjà.
Ouais. Ouais, je pense 3-4 jours semaine, ça dépend selon ma motivation en fait. Ouais, bah de toute façon, bon, il faut attendre que tout se relance ici, hein. C'est encore un peu mort la ville donc. Ouais, non, je comprends. Après, le blanchiment, ouais. Oublie. Donc, tu as 10% de perte. Tu as entre 5 et 10% de perte à chaque blanchiment. D'accord. Donc, les taux, bon. Pour avoir le blanchiment, j'ai dû négocier avec les gitans. Donc, eux, ils ont gentiment accepté qu'on ait le blanchiment. Donc, eux, ils ont un taux à 18% d'office. Ça marche. Et Capone, qui nous a aidé au début, il a un taux à 25% dès le début. Après, les autres, c'est 30%. Après 500 000, on descend à 27. Après 750 000, on descend à 25. Après 1 million, on descend à 23. Et après 1 million 250 000, on descend à 20. Et 20, on n'ira jamais plus bas que 20. D'accord. Comme ça, on se fait quand même un petit bénéf, quoi. 200, de toute façon. Mais les gitans, bon, voilà, comme ils nous ont laissé le bige, je leur ai fait une petite fleur. Ça marche. Mais et s'ils nous ramènent... Et s'ils nous ramènent beaucoup d'argent... ils m'ont déjà ramené près de 250 000 d'argent sale, donc... Tu peux aller tout recompter, hein. Je vois pas où tu t'es passé. C'est pas grave. Donc, ouais, ils m'ont déjà ramené 250, donc ça va. Franchement, je crois que Monsieur Capone. Ils sont assez intéressés par la vente de produits, hein, non ou pas? Les gitans, ils ont pris de la mette. Moi, on voulait me redonner la mette. Et j'ai dit que je préférais le blanchiment. Et on m'a dit, arrangez-vous avec les gitans. C'est ce que j'ai fait. Eux, ils ont pris de la mette. D'accord, ça va. Parce qu'on peut leur revendre le stock, parce qu'on a encore un stock. Hein. Ça, ils veulent pas, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai des gens, des ballasts et tout, qui viennent demander. Donc, ce que j'ai proposé aux. Ah putain, ça m'emmerde ces GPS. J'ai proposé aux gitans, quand il y a des gens qui demandent pour acheter de la drogue, nous on leur vend notre cam pour les tester, tu vois, à un certain prix. Et s'ils sont bons vendeurs, on donne leur numéro aux gitans ou à Capone. C'est... Tout droit. Non. Si. Ça sera peut-être plus rapide en fait, je pense. Parce que tu vas retourner on sur va voir, ouais. Parce que lui il m'a mis. Ouais, bon, je sais pas. Qu'est-ce que, comme ça, tu vois, tu retournes tu vois, sur le truc et tu pourras en fait passer à travers champs en fait si nécessaire. Ok. Là, tu vois, techniquement sur la gauche. Attends, deux secondes. Ah putain, c'est chiant. Non, ouais, mais ouais, ça va être chaud. Mais attends. Tu passes sur la gauche là. Ah si, là par là. Ici juste là, travers champs. Là. Voilà. Ouais, mais il faudra pas faire ça quand t'as de l'argent sale, parce que s'il y a des flics... Oh putain, le moteur, oh là là. Le brawler, non, ça devrait aller. C'est quoi ce truc? Ouais, mais je... C'est le brawler. Ah, mais c'est une bande pro haute. Je veux dire, quand t'auras l'argent sale, fais le chemin classique, hein, parce que... Ouais, pas de problème. Là, tu passes juste un petit peu sur la gauche, là. Ah non, tu passes un petit peu sur la gauche, tu vois, pour descendre dans le creux. Ouais, la gauche, ouais. Voilà, ici, doucement. Et là, tu repasses un petit peu sur la droite. Un petit peu à droite, voilà. Tout droit. Vas-y, tu peux y aller. Voilà. Et là, t'es sur la route. Un peu long. Et là, on est déjà sur les petites routes, ouais, c'est bien. Après, on a acheté une BF400 pour faire le blanchiment aussi. D'accord, ça va. Ouais, ça va bouger. Bon, il faut laisser un peu le temps de... Mais ça va bouger. Je pense que tu peux te couper tes phares, tu sais. Hein. Ouais, je sais, mais je... Ah oui, menu... Le bouton H qui est sur le tableau de bord, là. H? H de mon souvenir, oui, c'est H. Encore, voilà. Ouais. Ah bon, là j'ai des néons, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais. Après, oui. Ce qui est bien, c'est que tu fais un petit tour, tu vois, pour. S'il y a des gens qui te suivent, tu le vois direct. C'est ça. Puis ici, c'est plutôt un peu tranquille, tu vois, donc. Il y a de base, c'est personne ça. Qui vient, quoi, donc... Non, il y a personne. Mais c'est la mine, je sais pas si à un moment, il y aura pas des gens qui vont venir. Je sais
sais pas si c'est la mine ici. Ah non, c'est le pétrole ici. Ouais, c'est le... Ouais, c'est le pétrole. Une option, t'as ton option qui ouais, apparaît voilà, ok, ça va. Ah, pas de soucis, ça je vois, voilà, comme ça tu sais où c'est. Ok, nickel. Si tu vends, tu te gardes un pourcentage quand tu... Oui, bien sûr. Et le reste tu me donnes et je mets dans la... Ça marche. Ah, tu prends, je sais pas, tu me diras combien tu prends le pourcent. Je regarderai en fait suivant ce que ouais. Je vois en fait. En tout cas, sache qu'on a maximum 10% de perte d'office. Ça va, ça va. Avec le blanchiment. Ça va aussi entre. C'est souvent 8-9. Ok, ça va. Oh, c'est pas terrible, de toute façon, 10%, c'est pas mal quoi. Oui, ça va, c'est ça qui est pas. Voilà. Relativement content, c'est pas trop. C'est un bon... C'est un... Franchement, le blanchiment, c'est un bon plan pour nous. C'est un très bon plan. Ah bah, tu peux remettre le yellow. Tu peux bien sur le GPS. Ouais. Continue ouais, parce que... avoir la mettre, on n'est pas assez... les armes, voilà, bah, les... il y en a deux, c'était trop. Après, on s'est bien fait de la thune avec les armes et on a un bon... Donc, en réserve d'armes, on a... Encore... Ça, à la limite, on pourra vendre à des freelances. On a trois pistolets, on a deux SMG et une AK. Ça va. Et un pistolet 50 encore dans le coffre. Mais histoire de, en fait, on garde pas ça pour nous uniquement, en fait, au cas où. Si, on va les garder pour nous, c'est ce que je pensais. Comme ça, on est armé, t'inquiète. C'est juste. Après, s'il y en a un qui veut absolument acheter un pistolet, on peut le vendre la blinde, tu vois. C'est un ça, pistolet 9 mm. Ouais. C'est un moldu. Je crois que c'est un mollet. Ils sont de plus en plus malades. Pour moi, ça c'est un mollet. C'est un mollet. Ouais. Bon, c'était un mollet. Non, les couleurs de la voiture, ouais, les couleurs de la voiture, elles sont trop bien comme ça. Oui, non, j'avoue que c'est top, c'est top. Ah ouais, tu peux aller changer. J'ai dit que je vous laisserai le choix. Si vous voulez garder l'autre, vous gardez. Sinon, vous faites comme moi. Il n'y a pas de problème. Non, je vais changer. Nickel, c'est bien. Pas cher ça, donc je préfère. Ouais. Ouais, il faut de la thune, tu le dis, hein. Non, mais c'est pas. Par contre, tiens, j'y pense, on avait expliqué que. Oui, deux secondes. Attends. Oui, on s'est dit qu'on allait acheter un appartement en fait plus loin en ville en fait. Oui, alors, j'ai eu. Il y a un nouveau qui va reprendre l'agence. De location immobilière. Et il m'a dit qu'il trouverait des trucs dans le nord, donc il va me rappeler ce soir pour me dire je lui ai donné les coins, tu vois, j'ai dit que j'aimerais bien qu'on ait des appartes au quartier. Il n'y a pas de souci, c'est juste que moi j'aurais aimé justement avoir un appart au sud pour y faire de la vente au cas où. Oui, mais le sud c'est trop cher, tu peux en louer un, il n'y a pas de souci, mais acheter Bah oui, mais justement c'est acheter, c'est à dire qu'en gros je vais là, je dépose des trucs et je fais pas 50 allers-retours, tu vois, du nord vers le sud. Ouais, moi y a pas de souci, tu peux en louer, hein, c'est 2000 par jour là, ou je sais pas combien. J'aurais pensé pourquoi acheter en fait, parce que c'est ouais, pas, mais acheter 250 000, on a pas les moyens pour l'instant, donc faudra c'est attendre qu'on. 200 000 en fait, le minimum. Oui, d'accord, mais il faut qu'on ait les moyens, tu vois, il faut qu'on garde un fond. Ça, on peut le faire, oui, quand tu les as, on peut le faire, ouais. Je vais essayer de m'arranger ça, je vais essayer de trouver un truc. Ouais, on peut essayer d'arranger. Attends, on va essayer de trouver un moyen.
Et on va trouver un moyen, il faut. Oui, bah il faudra un appartement au sud et un appartement au nord alors. Oui, c'est ça en fait. Enfin, moi je comptais faire un appartement au sud. Donc si tu veux toi avoir un appartement au sud, au nord, c'est pas de souci. C'est juste que moi j'essaierai d'en avoir un en fait au sud. Histoire justement. Oui, mais en fait... on fera ça, mais bon, c'est cher donc les apparts. On en aura. Je vais essayer de m'arranger avec. Soit je vais voir le gars ce qu'il propose. S'il propose qu'on l'achète en payant tous les mois, tu vois, on peut faire ça. On va voir. On va trouver un système. De toute façon, on a lié l'eau hein, pour se faire du pognon aussi. Comme je t'ai dit, allez, on avait fait les, on avait vendu 6000 bouteilles au seller. Bah, tu fais 6000 x 20 de là. Ça fait une belle somme quand même. Ouais, tout à fait. Ben oui, je vais. On va créer des fonds pour acheter des appartements, effectivement. On va déjà un peu voir celui. Enfin non, il faut attendre que l'agence. Dès que ça sera ouvert, je demanderai au gars de te proposer des appartements au sud. Tu veux près d'où? Je dirais plutôt près de la plage. Près de la plage, ok, bah je lui demanderai. Pas de soucis. Comme ça, tu vois, je fais un aller-retour là-bas, je dépose en fait Je dépose en fait une partie du fric, enfin une partie Nickel, des aspirateurs de ce côté-là et de temps en temps. Je alors, nouveau règlement. Ouais. Pour les. Comment on dit ça? Pour les braquages de supérettes, tu dois plus attendre les flics. Ouais, non, ça je savais en fait. Ils ont rechangé, ah ben voilà. J'avais posé la question par rapport à ça. Bon, HRP, j'avais vraiment posé la question en fait à un helper qui m'avait dit oui, non, en fait, c'était une grosse discussion et de base, de toute façon, c'était non. Enfin, c'était pas, il fallait pas. Il fallait pas d'otage, de toute façon. Mais c'était pas spécifique directement, donc ils ont modifié les règles pour ça en fait. Ouais, ouais, non, vas-y, va changer tes couleurs. Moi, elles sont trop belles les couleurs comme ça, franchement. Ouais, je vais faire. Je suis trop fan. Que J'ai un burrito à ces couleurs-là et j'ai un slam van aussi. C'est pour les livraisons, tu vois. Par exemple, si un jour on doit faire nouveau un bar quelque part, on peut tout mettre dans le burrito, tu vois, et on peut l'amener ça peut être bien, comme bar roulant. Bah écoute, je vais me changer. Et ouais. je vais changer de véhicule et faire les changements de couleur en fait. Attends. Ouais, ça va, ok, parfait. Okay. Allez, à tout un. Salut Félix, excuse-moi un peu parce que là, c'est un petit peu compliqué sionner, hein. J'étais en pleine narration. Salut. Alors, je vois ton message avec Miss. J'ai pas vu. Ma faute. C'est ma faute. Ah, je sais, t'as passé avec comment ça s'appelle, Jack ou je sais pas quoi, non, attends, c'est pas Jack. J'ai une connerie comme ça. Ah merde. C'est pas là.
Il y a personne. Jack Crane. PDG de taxi, ok, ok, c'est bien. Ah oh, putain, je m'excuse, je dois pisser, je reviens. Aïe. C'était toujours là, Fanny, et bah, faut bosser. Hein. Faut se bosser un jour, hein. C'est important. Bon, le mécano est pas ouvert en fait. Écoute, ah, je vois pas dit par là. Il me reste encore du whisky.
mais il y a peut-être celui en ville qui est ouvert, c'est Monsieur Capone qui a repris. On va demander s'il y en a ouvert. Ouais. C'est juste que je préfère aller chez les gitans, quoi. Ah, voilà, il y en a un qui est ouvert, celui en ville. Ok, bah écoute, je vais... C'est de la ville, celui-là? Ouais, j'ai déjà été, ils sont bien. T'inquiète. Non, mais attends, c'est... Est-ce que c'est pas le même truc que... Attends. Ah, il est ouvert. Ça y est? Ok, nickel. Elle est c'est ouvert, nickel, elle est c'est ouvert, donc tu peux y aller. J'y vais alors. Cool. C'est bien, c'est juste par contre de Vistar, j'ai. Tout c'est que je voyais trop de messages en fait. Donc j'ai quitté plusieurs serveurs. Dont de Vistar. Est-ce que je vais pas y retourner maintenant? T'as vu ça, on a des. Il y a des carwashs en plus. On est à Sandy Shore. À Sandy Shore? Ah d'accord, ok, j'ai pas vu. Ouais, c'est nickel ça, c'est nos bagnoles sont dégueulasses, on peut aller les laver. Ouais, t'étais pas là, Chris Evans est mort. Il s'est tué en moto. Ouais, il s'est tué en moto comme un con. Voilà, là. C'est la plus belle mort qu'on peut avoir. Ouais. C'est le. Attends. C'est un accident réel ou c'est un accident? C'est un accident, il a roulé. En fait, comment t'expliquer? Il devait mourir, mais. Enfin, il pouvait pas partir de la ville comme ça, il devait mourir, donc il a roulé en moto, il s'est tué, c'est un accident. Mais personne l'a buté. Oh, c'est dommage, ça aurait été sympa en fait. Oui, mais ça aurait été là, on aurait proposé, toi tu l'écrases, on aurait fait un truc. Ouais, totalement. Et donc il n'est plus, il y a qui d'autre qui est plus là, je ne sais plus. Ok, merci. Salut! Ça va ou quoi? Ça va et toi? Putain, ça fait plaisir de te voir, oh! Ouais, j'étais un petit peu absent pendant 2 semaines. Bah ouais, j'ai vu. J'ai dû m'absenter. J'ai vu que le patron avait changé les couleurs du véhicule, donc... Tu t'es dit, il me colle la même, elle est trop belle. Ah putain, mais c'est pas mal quand même, j'aime bien. Ouais, franchement, elle est trop belle la nouvelle couleur. Je vais trouver ça là, franchement j'aimais bien. Émeraude comme ça, c'est chouette. Ouais, tout à fait. Bah écoute, je te laisse monter, on va voir ça ouais. Vite. Et du coup tu veux tout pareil? Tout pareil. Tout pareil, nickel, hop, j'ai fait ça. Et il a changé les néons, tu veux les changer aussi? Ouais, même couleur en fait. Je suppose que c'est pas hyper cher non plus. C'était combien? C'était comment ça? Les néons, je sais pas trop, mais franchement, c'était pas ruinant, on va dire quoi. Non, généralement, les couleurs, non, généralement, c'est pas super ruinant les couleurs en fait. Les couleurs, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Hein. Non. De toute façon, tout le reste est déjà payé donc. Ouais. Tu l'as déjà fait à fond de toute façon donc. Oui, pour le brûleur d'office de toute façon quoi, c'est. Ouais, c'est une base, tu vois, c'est une base de noir. En fait, et dessus, on met du vert en accrage et ça rend vraiment bien quoi. D'accord, c'était comme qu'il a fait, c'était noir et avec un écrasage vert. En fait, ça c'est une spécialité au LS.
on fait beaucoup de nacrage comme ça et il y en a, on a deux trois couleurs qu'on aime bien nous et que d'habitude on garde pour nous, mais là Henri, je voulais lui faire plaisir, je lui ai dit vas-y je te montre le vert que moi j'aime, et il m'a tout de suite dit ouais putain c'est bien. Ouais, bah, d'ailleurs je reçois aussi sur moi la sultan en fait dans pas longtemps. Ouais, mais parce que la sultan en fait bah, elle est noire et jaune là, pour l'instant, et bon j'aime bien en fait, t'as quand même noir et jaune, c'est quand même pas mal. Mais comme ouais, on va changer le yellow et qu'il n'y aura plus de yellow, que ce sera un autre bar, ouais. Bah, je me suis dit, bah, je vais changer aussi pour avoir autre chose et pour soit peut-être une autre couleur plus sympa. Quoi. Ouais, 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 carrément. Hein. Voilà, là, le vert il est bon. Et la couleur secondaire, on met le orange et on met le orange le plus sombre. Orangerine. Bam! Et là, on est bien. Ouais. Là, qui a les mêmes couleurs que lui. Là, on est à l'intérieur, alors tu vois pas trop bien encore le. Que ça gueule, ouais. Mais. Ah, bah, en tout cas, je vois que ça a de la gueule en fait, comme ça, tout son nom. Que... Ouais, ouais. Non, non, c'est. La couleur là, elle est vraiment, vraiment belle. Et on lui a... je lui ai fait aussi sur son Slamgun. Et je pense qu'il va faire toutes les couleurs, enfin, toutes ces voitures comme ça, parce qu'il n'y a pas mieux. Moi, je, ah, j'ai pas de véhicule à moi là, parce que moi, je les fais tous d'un bleu. Après, je fais pareil, je mets un bleu marine, après, je mets un accroche bleu clair. Il faudra que je les montre aussi. Ça fait genre aussi comme une pierre précieuse en plus. Ouais, ouais. Ah, c'est incroyable. Ah ouais, non, non, vraiment, j'aime bien. Parfait, nickel. Trop bien. La plaque, tu la gardes comme ça? Ouais, non, en fait, lui, il avait une plaque, c'était quoi? C'était noir sur... Hein. C'était jaune sur fond noir. Ouais, bah, de toute façon, la noire, elle est comme ça, l'écriture, elle est en jaune, c'est obligatoire. Oui, de toute façon. C'est la mer, alors? Ouais. Ok. C'est bien, vous allez pouvoir retravailler bien là. Ah ouais. On va rebosser un peu. Ah ça fait plaisir franchement. Et je pense qu'on bossera peut-être un peu plus avec ce qu'on a maintenant donc. Ouais ouais. Ok, ça va le faire. Ok, bah t'en es à 6700 là. Parfait, ok nickel. Ça c'est de la couleur. Ouais, ouais, j'apprécie. C'est la classe. Ah moi aussi, franchement. Je suis fier de mon travail là. Ouais, non, mais je suis content aussi. Hein. C'est nickel. Vous bossez super bien à chaque fois. Attends, je te paye directement comme ça c'est fait. Voilà. Nickel, merci Greg. Pas de problème, hein, mec. Ce sont, j'en passerai après la modification du yellow qui va devenir, je crois, le Lucky Star. Je sais pas ce que, je sais pas comment. Ouais, il hésitait entre le O'Neill et le... Le Key7, je crois. Ouais, voilà, un truc comme ça, ouais. Très bien, si, ouais, je pense. Mais j'avoue ouais. Que le Key7, si c'est ça, ça peut être très bien, ça, je pense. Ouais, le Key7, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Non, c'est ouais. Bien, c'est bien. Ouais, vous allez pouvoir envoyer du lourd. Totalement, ça va. Et reprendre vos activités à fond, à 100%, ça va être top. Ouais. Ça serait d'être un peu plus présent en fait, c'est juste que je pense que je serais présent genre 3 ou 4 jours semaine en ville. Ouais, après, t'es là quand t'es là, tu sais, chacun sa life, hein, comme on dit, mais. Bah, disons ah, que tu sois là de temps en temps, c'est déjà cool quoi. Mais disons qu'avant, j'étais présent, je dirais genre pas beaucoup de temps, tu vois, j'étais à tous les jours, que ce soit en ville ici ou ailleurs, en fait, ça faisait beaucoup, donc je crois que je vais être un peu moins présent, mais être présent quand même, de temps en temps, pour parler avec les gens, etc. Là, tu vois. Ok. Ok, bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir. Ouais, ça fait plaisir aussi. Bon, moi, j'y retourne. Ouais. Je te laisse. Vas-y. Ça marche. À plus. Salut, hein. Ciao.
C'est bon, c'est fait. Super. Ça en jette un axe. Oui, à mort. J'ai cru entendre les flics. T'en as dit quelque chose, toi? Ils partent vers la ville. Ok. C'est quand même la vitrine des Norse. Hein. Oui, oui. Donc les travaux du Yellow, plus le nouveau panneau là, avec le nouveau nom, ça va nous coûter 220 000 dollars. Je prendrai ça du fond du Yellow, donc il restera 82 000 dans le fond du Yellow. Donc il faudra qu'on fasse des bouteilles pour le Yellow. Quoi. Pour remonter le capital. Ouais. Oui, à notre aise, mais on a assez, hein, t'inquiète. Oh ben si, il y a assez, pas aussi, hein, mais c'est... Oui, bah après, t'as la moitié de l'argent pour toi, hein, donc c'est pas non plus... Je sais bien, c'est juste que ça rapporte pas des masses, en fait. Hein. C'est pour ça que moi, je pensais plutôt passer au Russell pour... Ah ben non, bah on peut le faire par le Russell, mais on mettra l'argent alors dans le Yellow, tu vois. Tu veux admirer tes pecs, Mel? Ouais. J'ai accessoirement regardé, en fait, si les tatouages que j'avais fait, t'apparaît bien. Apparaît, montre-nous. Bien. Ça va pas. Ah bah voilà, c'est bien. C'est très bien. Ah ouais. T'as le bon tatouage, c'est nickel. Ouais, il en a partout lui. Ah oui, attends. Ça, on a tous ce bon tatouage. Moi j'en ai rajouté. T'en as rajouté? J'ai pas envie de dire connerie, il me semble que j'en ai aussi un sur la jambe. Yeah. Regarde, j'en ai sur les jambes, regarde, t'as vu? Dans le dos. La boussole pour les Norse. Ah, pas mal. C'est bien. Non, franchement, j'aime bien. Ouais, les jambes aussi, les serpents et tout. Enfin... Pardon. Ah, je deviens que tu me retournes, putain. Comme ça. Tu verras, Greg, c'est le spécialiste. Tellement. Non, mais c'est. Je rote, je pète et rien ne m'arrête, tu vois. C'est... Après, voilà, le dos, je trouve la boussole, elle est vraiment chouette pour. Moi, c'est le nord, mais c'est pas le nord. Et ça coûte que 200 ou 300 dollars la boussole, donc c'est pas non plus excessif. Non, c'est pas excessif du tout. C'est plutôt pas mal. Non, ça rend bien avec ce couleur. Mais après, voilà, les bouteilles, si tu veux vendre ça au reseller, ok, mais on devra mettre une partie dans la caisse du nord pour les. Du yellow pour le remonter, tu vois. Bah, le truc, c'est que ça, tu sais, c'est que si je fous ça au reseller. Ça va. En fait, c'est ça le truc, c'est que techniquement, si je veux foutre dans la caisse du Nord, Non, du yellow. Mieux vaut que je le vende au magasin. Mais oui, fais ça. En tout cas, parce que ça vend en fait 2 x 12. C'est 24. Oui, tout à fait. Et t'as 12 pour toi, de toute façon, que ça tu gardes, et les 12 pour le bar, quoi. T'as besoin de pognon aussi, hein. Il faut que tu fasses ton argent. Hein. Faudra faire gaffe de pas après, trop jouer d'un coup non plus, parce que ça fera bizarre, sinon si. T'en paieras pas les taxes. Si, je ferai en sorte que je vais bidouiller, je paierai des impôts, comme ça ils nous foutent la paix, tu vois. Ok. Je mettrai... Parce que je donne jamais mes feuilles d'impôts, donc... tu vois, c'est moi qui dis combien je paye d'impôts. En général, je suis ce qui est marqué, mais je leur donne jamais mes feuilles. Ils le demandent jamais, donc... Moi, tant qu'ils le demandent, tant que moi je gagne comme ça, je le fais, hein. Okay. Le jour où ils me demandent, je leur montrerai. C'est ça, quoi. Donc je dirais comme d'habitude, là cette fois-ci c'était 13 000 et quelques, je remettrai la même chose. Mais effectivement, vaut mieux vendre au grossiste près du Comico. Oh putain. Comme ça on renfloue les... Ah mais dis, t'es une centrale téléphonique toi. Oh là là. Mais les travaux c'est indispensable, le bar va être trop beau et en plus on aura un billard fonctionnel. Oui. Tu vois l'étage. Donc le truc ouais. À l'étage, on fera ça une salle VIP. Ouais, je sais que c'est dans une chambre, mais on en fera une salle VIP pour des réunions spécifiques. Les gens pourront jouer au billard. Par contre, il faudrait voir un truc.
Ouais, quoi? Il faudrait voir si dans cet VIP, on s'entend parler en haut. Bon, on fera un test. Quand on aura le nouveau loco, toi tu seras en bas, tu parleras, ou moi, et un va monter, on va parce essayer que, de voir. Parce que tu vois, c'est. Je ne sais pas si tu enfin, comprends ce que je veux te dire, parce que j'ai peut-être parlé un peu chinois. Oui, je comprends. J'aimerais savoir en fait si notre voix porte en sphère ou en cône de distance. On va tester. Parce que quand tu es quand on est dans notre quartier, qu'on est sur le toit, on n'entend pas ceux qui sont dans le magasin. Bah, donc je me dirais que c'est la même chose. Si le 3 jours on était sur le toit du quartier et on a entendu les flics qui parlaient avec Kevin. Oui mais ils étaient un peu à l'extérieur, tu vois, dans le magasin même, t'entends pas. On fera un test de toute D'accord. façon avant de faire des réunions, on fera un test. Okay. Mais tu poseras des questions au sens. Oui. Tout à fait. Bon je vais voir les modalités qu'elle veut. Tiens, j'y pense, ils sortent pas sur le job parce que moi je me souviens d'un truc en fait qui s'est passé avant mon départ, mais j'aimerais que ça soit réglé, que ce soit tout bien, qu'il n'y ait pas de soucis, il n'y a plus de problème avec le Familis. Alors, il n'y a plus... Ça va ? Le Familis, non, c'est, tu veux dire avec, les Suns, je me suis arrangé les Suns. C'était un... Non, paix, mais non, pas les Suns, pas le gars qui a agressé ses mails en fait. Le gars qui a agressé Mel, oui, ça s'est arrangé. Oui. Il n'emmerdera plus jamais. Il va plus jamais emmerder Mel, surtout que maintenant Mel est rentré dans les Norse. Si le Familise dégaine le moindre couteau, je lui coupe un bras. Ça marche. Enfin, tu lui couperas un bras, Greg. Il n'y a pas de problème. C'est voilà. Oh, oui, non, mais maintenant que Mel est rentré dans la famille, plus personne ne peut le toucher. Déjà, quand il travaillait au Yellow, j'ai été voir l'autre, j'ai dit. Je lui ai bien fait comprendre que tu étais là en plus, hein. Donc... Si, j'étais avec la batte, mec. Ouais. Mais cette fois-ci, il y a moindre personne qui touche à Amel. Il aura les nords sur la gueule, quoi. Ok, ça marche. Si je mets toi et Victor, je pense que le gars, il va pas s'en sortir. Ah, ça, non. L'américain et le russe. Mais on le récupère, tu sais. On le fout dans un coin. Ouais. Lui aussi, il a des méthodes comme toi. Donc, on chope sa mère. on touche. Ouais. Va falloir faire attention aux bagnoles mais en ce moment parce qu'il y a pas mal de vols de coffres de bagnoles et de bagnoles. Oui, Victor s'est fait voler son corps. Et puis il y en a eu pour la réunion du gouvernement hier. Ouais, il y a eu aussi des vols. Ah merde. Ouais. Tu sais qui vole ? Il y a les doutes de Victor et après moi j'en sais rien. J'étais intervenu avec Simona pour aller aider Victor vu qu'il s'était crashé comme un sgeg. Lui il pense que c'est le Familise. Ouais. Je vais, de toute façon, le Family, je vais le choper. Je vais dire, écoute, que tu voles des voitures, je m'en fous, mais tu touches pas aux voitures des Norse. Et je vais lui dire clairement. Mais on sait pas si c'est lui. Surtout ça. Ouais, mais je vais aller lui dire. On s'en fout. Bon, je verrai bien. C'est en tout cas pas des ballasses. Je leur ai posé la question. Eux, ils n'ont pas volé de voiture. Donc, c'est déjà pas eux. Maintenant, il reste les Bloods, là, tu vois, les rouges ou le Family. Donc, je poserai la question quand je les vois. Tu posais son ressort, c'est. Oui. Maintenant qu'on a le blanchiment, le premier groupe qui nous emmerde, il va douiller pour son blanchiment, tu vois. Jean, tu fais l'innocent en fait. Tu sais ce qu'il y avait dans le coffre de Victor ou pas ? Est-ce qu'il a disparu ? Non, il sait plus, mais ce qui est bien, c'est que les vignerons l'ont remboursé donc. Non, mais il n'y a pas de dans l'autre. Ça, c'est... Genre, mettons, tu prends un exemple avec moi. Tu vois, genre, tu dis, ouais, mais dans le véhicule, il y avait un truc important, très important. Nous, on aimerait bien récupérer. Je vais le dire. Tu poses des questions. Et s'il y a des gens qui savent, genre, pas ce que c'est, etc. Ou des gens, tu vois, qui disent, ah, mais je sais ce que c'est, en fait. Et qui disent, mais oui, bah, tu sais que c'est d'office pas eux parce qu'il y avait rien d'important. Mais le problème de... Oui, c'est ça. Parce que Thor sait plus s'il y avait du whisky dans son coffre ou pas. Mais bon. Là, il avait déjà picolé de la vodka avant de se faire voler. Ouais, non, c'est juste que. Il danse à poil sur le toit, putain. C'est juste que tu vois, moi je pense à manipulation mentale, tu vois, genre essayer de trouver quand même qui c'est qui a fait le truc en donnant à la fois des indices mais des faux indices, tu vois. Savoir si les gens disent pas des couilles, tu vois, ou s'ils disent mais en fait non, il y avait rien dans le coffre, il y avait juste ça. Tu sais que c'est toi, tu vois, c'est. Enfin, ce genre de conneries, tu vois. Ouais. Sûr que. Voilà, mais j'ai eu l'architecte, donc je vais payer
Je vais payer en avance les 150 000 pour la transformation du bar. Et je paierai les 70 000 quand on aura réceptionné le bar et le nouveau panneau avec le nom Lucky Seven. Ça vous va comme nom, ça, pour le bar, ouais. Lucky oui, Seven, c'est quand même bien, c'est sympa. Et il y aura le logo, il y aura un set qui se trouvera dans un trèfle à quatre feuilles avec la flamme. Tu vois, comme notre tatouage. Pas mal, ça, j'aime bien. Voilà, et le tatouage, c'est pour les North, mais les gens croiront que c'est pour le Yellow. Donc, on passera inaperçu, même si on monte notre tatouage. C'est pas mal. Pas pour le Lucky Seven. Voilà. Ça, j'avoue, c'est pas mal. Tu vois, donc voilà. C'est pas mal du tout. On est une des seules orgas où presque aucun fixé qu'on ait. Ils connaissent les Norse, mais ils ont jamais vu. Ils savent qu'il y a un quartier, mais ils ont jamais vu les. Donc, ça me tue, quoi, depuis des mois. Okay. Bon, on a revendiqué un quartier, ils sont jamais vus voir. Ils nous ont jamais topé, rien du tout. Ils ont chopé Jackie une ou deux fois, ils savent même pas que c'est un Norse. Ouais, ouais. Et pourtant, ils vendaient avec son habit de cérémonie. Lui ouais, aussi, j'ai peur qu'il revienne pas. C'est sûr que c'est un peu con, tu vois. C'est... Après, d'ailleurs, moi, pour les Norse, j'ai un nom, code. Ça, vous le savez. C'est pour le serveur, en fait. Attends, faut que je me rappelle. Ah. Et j'ai également un visage. Attention. Ah là, yes. C'est parfait. Voilà. Ça c'est. Mel nous a créé un Discord spécial pour le Yellow pour plus mettre les gars dans le Discord des Norse. Ok, ça marche. Ouais, le gars qui travaille au Yellow, il arrive dans le Discord, il voit Norse. Bon, les 9/10, ils se posent pas les questions, mais Mel c'est le seul qui s'est posé une question. Voilà. J'avoue que je me suis aussi posé la question. Oh, c'est la voiture que je veux. Hop, c'est comme personne non. En fait, je me suis aussi posé la question, mais comme personne n'a relevé le truc, je me suis fait. Bon, bah, si personne relève le truc. Non, mais il a créé un. Je vais t'inviter, il a créé un spécial. On va le dire bonjour, viens. Tu pourrais juste. Attends. Ouais, dis-moi. Éjecter en fait ceux qui sont pas. Oui, on a déjà commencé, on va les éjecter. Ah, et attends. Est-ce que tu la connais au moins, j'ai 500 HRP, il faut ajouter les admins. Oui, il y a moi et je vais te rajouter. Oui. Non. Les admins de Liveborn en fait, parce qu'ils doivent avoir accès à notre truc. Oui, je vais leur donner, mais une fois que j'aurai fait le ménage dans les Norse et. Ça marche. Okay. On les invitera, ouais, t'inquiète. Okay. Je demanderai lequel veut aller. Voilà. Comme j'aimerais bien l'acheter, mais je voudrais savoir quand même s'il y en a sous le capot, quoi. Si, oh. Je vois. Buonasera. Ah, Vito. Si, c'est ça. Ah, comment vas-tu? Ah bah je vais très bien moi, toujours de bonne humeur. Ah bah c'est bien. Et en plus de ça, j'ai pu acheter ma voiture, donc ça va encore mieux. Ah ouais, ah bah dis donc, tu te fais de l'argent toi. Non, c'était un prêt à la banque. J'ai fait un prêt à la banque pour pouvoir acheter ma voiture. Ah ouais. Bah il faut, t'entends. Ah si, mais en fait j'avais acheté une petite voiture pour le travail et pouvoir me déplacer plus facilement en ville. Mais j'avoue que je voulais vraiment trop m'acheter ma voiture. Du coup, quand j'ai été voir le banquier pour ouvrir un livret A, je me suis dit, va bien, je vais ouvrir, je vais prendre un. Je vais faire un emprunt et je vais m'acheter ma voiture. Nick. Bah, c'est une belle voiture, hein, ça va. Ah, si, mais en plus de ça, elle bombarde, hein, elle roule à 300. Donc, Ah, oui, non, mais j'aime bien, hein, c'est. Ouais, non, elle est jolie, elle est bien. Elle est jolie, attends. Elle en a sous le capot, c'est incroyable. Greg, j'ai acheté une bagnole quand t'étais pas là, je vais te la chercher, tu vas voir. Ah, nickel. On dirait voilà laquelle je parle, mais. En fait, genre de truc de James Bond. Ma chromée, je vais lui montrer ma chromée. Elle est bien, hein, à vous. Ah, j'arrive. Ok, nickel. Je suis vraiment content. Elle a une courbe, elle est magnifique. Ah non, elle est sublime, hein. On dirait les voitures de James Bond. Si, on m'a déjà fait la réflexion. Austin Martin, je crois, un truc ainsi, le nom. Si, quelque chose dans le genre, je crois. J'ai plus le nom en tête, mais je crois que c'est un truc comme ça, tu vois. C'est... Bah, vraiment, je suis si content, c'est. Il y a quand même. C'est... Mais pas les récents, hein. Les vieux James Bond en fait. Ah si, premier, les vieux, ouais. Non mais elle est classe, elle est vraiment classe. Bah en plus, je m'attendais vraiment pas qu'elle monte à plus de 300. Hein. Je crois que j'attends les 350 avec... C'est pas étonnant. Ouais, d'accord. Bonne piste.
350 quand même, je m'y attendais pas, hein, je... Ah non, mais valide, c'est ça passe. Mais attends, il y a les positions devant en fait, tu le vois bien quoi. Donc, Excusez, j'ai pas entendu. Il y a les positions devant là, ici. Ah si, mais je m'y attendais un peu qu'elle bombarde, mais 350. C'est possible, c'est possible. Bah, attendez, après, regardez le moteur. Après, quand je l'ai acheté, j'ai vu le moteur. Et là, je me suis dit, c'est normal. Allez voir. Déjà la porte qui s'ouvre comme ça, oh, putain, c'est quelque chose. Les portes papillons, ça c'est trop classe. Et écoutez le son. Elle est incroyable. Ah ouais, putain, non, là elle est vraiment incroyable. Ah ouais, non, vite. Et regardez-moi ce moteur. Elle est incroyable. Ah non, vraiment, c'est incroyable quoi, c'est fantastique. Wow. Ah si, elle est même pas améliorée. Elle a aucune amélioration dessous. Avec une petite amélioration, un moteur V8. Mm. Ah si, et en plus j'ai fait ma couleur. J'aime beaucoup le dégradé de couleur que j'ai sur le capot. C'est deux types de bleus différents. Et j'hésite à mettre un nacrage, mais... Bah ça peut être bien en fait, il faudrait voir en fait un nacrage qu'il y a en fait avec les mécanos. Et voir que tu pourrais mettre pour que ça s'améliore. Bah je l'ai fait tout seul, hein, c'est je suis mécano donc. Ah bah oui, mais oui, bah justement. Il faut le faire moi-même. Ah bah si tu es mécano, bah vas-y, je t'en prie, bah profite-en, regarde les nacrages que tu as, que tu peux faire. Vraiment, j'ai regardé les nacrages et les nacrages, bah regardez. Bon, ça aussi c'est une belle voiture. Ouais. Ouh. Allez Greg, viens l'essayer. Ouh. Oh. Vas-y, roule avec. Un petit test. Aussi. Elle fait plaisir à l'œil. Ouais, elle est jolie, hein. Si. Lâche avec ça, elle lui plaire. Sur le côté. Ouais, elle. Trop jolie. 2 secondes, je vais faire un tour alors. Mes pots d'échappement sur le côté. Ouais, va faire un tour. Faire gaffe, c'est battu de pas trop. Putain, tu parles sérieux, quoi. Ah, il est parti? Non. Bah, ils étaient là. Je suis parti faire un tour, puis je suis revenu, puis ils étaient là. Ah bah, il est revenu, hein, Henri.
Ouais, avec la nouvelle voiture, là. T'as on dirait un tank de la première. Ah mais c'est classe, quoi. Bon, je me suis juste fait percuter par un connard là conduisant parce qu'il y a un... Genre le trou de cul qui déboule, je sais pas tout où. Ça, t'as pas trop mal? Non, je suis juste sedé en fait, mais ça va. Attends, merde. Mais je vais l'acheter aussi. Ah ok, tu es parti faire un tour. Et terrible. Non, c'est pas mal, t'as fait un tour avec de Monsieur Vito? Non, mais pour l'instant, en fait, vu que j'ai eu... En fait, le truc, c'est que je préfère aller dans des circuits où il n'y a pas de bagnole parce que là, je me suis pris encore un connard, en fait, sur le chemin. Ah, tu m'as craché ma caisse. Bah super, mec. Bah ça va, il est juste à l'arrière, en fait. À l'avant, il n'y a pas grand chose. Ah, mais Monsieur Vito est mécano, donc... En fait, mon problème, c'est que, genre, je déboule sur le pont, tu vois, il y a juste un connard et je le perds. Je sais, je connais, ça, il m'emmerde aussi. Juste le petit coin là et il me retrouve le cul d'aplomb. Mais t'as vu en chromé les couleurs que ça prend, hein, j'adore. Pas mal, pas du tout. Attends, j'ai encore mal au crâne, mais ça va. Ah, putain. Ça va, t'as besoin d'un medikit? Non, ça va, je suis sonné en fait. Ça cause ce connard, mais sinon ça va, c'est putain, elle est puissante quoi, elle est trop beau. Bon, après il faudra quand même penser que tu passes ton PPA aussi, Greg, un de ces quatre. Hein. Bah en fait, il me reste juste à passer avec l'armurier en fait. Non, mais il est plus là, l'armurier, il a quitté la ville. Bah il faut que je... Tu dois le passer avec les Speedy. Mais... Ouais, ça a baissé de 10 000 aussi. Il faudrait que j'aille voir les flics alors. C'est 40 000 maintenant? Non, c'est 50. Avant c'était 60, maintenant c'est 50. Non, ça a toujours été 50. Non, c'était 60 avec l'armurier, on m'a toujours dit 60. Non, moi j'ai payé 50 avec l'armurier. Non, c'était 50 000. Ah, ok. Bon, j'en ai dit. Bah, non, y'a pas de... Bah. Merci Vito. Bah du coup, si vous voulez tester ma voiture, vas-y Greg, teste en allant pas trop vite, vas-y. Écoute, je vais la tester, mais je vais alors sur l'aéroport. Vas-y. Oui, bah oui, va sur l'aéroport. Si, faites-donc. Et par contre, un conseil. Ouais. Quand vous aurez assez de vitesse, juste vous lâchez la pédale d'accélération et vous allez voir, c'est fantastique. D'accord. Elle fait un bruit de formidable. Ok, je vais voir ça. Plus beaucoup d'essence, hein.
Elle est bien, elle est vraiment bien. Elle est bien, elle, elle est bien. Fait, elle monte pas aussi vite, tu vois, que... Bon, je pense qu'elle monte très haut, en fait. Elle monte pas aussi vite que la voiture de Daniel, mais elle est bien. Elle est aux toilettes. Ah bah on verra ça, ok. Ouais, parfait. Eh bah tout de suite alors. Ok. Tout de suite. Allez, ah, Mel, il y a ta chérie qui arrive. Ah oh ouais, il va falloir arrêter. Il a un coup de cœur pour Madame Simonard. Non, oui. Oh, mais c'est bon, c'est passé, tout va bien. Ouais, ouais, c'est passé, mais... j'étais en train de faire ma meilleure merde. La Victor, il arrive, Tartax dans la gueule, c'est bon, calme-toi. J'ai fait, ok, d'accord, c'est bon. Bah ouais, enfin, Victor aussi, il va devoir se calmer. Lui, il est derrière Madame Aïcha. Et Madame Aïcha est avec quelqu'un, non? Avec un des ébis, je crois que c'est Yannis. Non, c'est pas Yannis. Ah bah voilà, c'est réglé, l'affaire est réglée. Aucune fucking idée. Ouais, non, mais surtout, je lui ai envoyé un message en mode, ouais, tu viens vraiment à un bar alors que tu vas m'opérer bientôt. Bon. Il y en a un de vous deux qui sait me déposer à une banque, que je dépose les sous pour le, ouais, le futur bar. Ok. Je te laisse t'occuper de servir Madame Simona et on arrive. Ok. Comme ça, je te montre les vêtements pour le blanchiment. Ça marche. C'est un petit peu chic comme ça. Après, j'aime bien ton costume que t'as mis. Parce que dans le nouveau bar, pour servir, ça serait bien d'avoir un beau petit costume, tu vois. Ouais, non, c'est je veux le rendre un peu plus chic. C'est le costume que j'ai pris pour notamment en fait. Oui, oui, mais j'ai vu que ça te va bien le costard, donc tu pourras prendre un autre, tu vois. Ouais, je peux faire un truc pareil hein, si tu veux. Ça va pas de problème. Cool. Ah, elle est. Le brawler est trop bien dans ces couleurs là. Ah putain, ouais. Franchement, c'est trop beau ces couleurs là. Ah, mais il doit être les néons en blanc, hein. Faut plus les mettre en orange. Ah, ouais, non, il a pas de néons, c'est pas grave. C'est pas grave. Je repasse plus tard pour oui, ça. Oui, 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 tu feras ça après. C'est pas très important. Bon, d'abord la banque, plus ouais, important, ouais, puis je te montre les vêtements. Oh, putain, je dois vous l'épuiser. Ah, il faut vraiment que j'arrête de boire trop. J'ai trop soif après. Suis-moi, mon bel homme. Yeah, man. Alors, ouais, on gardera la tenue des Norse quand on doit faire un gros coup d'éclat. Alors, pour le blanchiment, on a trouvé ça. Voilà ça. Attends, 200 dollars. T'as les références, ça ou pas? Ouais, je vais te les donner. Comme ça, je la fais maintenant directement. Attends, hop, la granate. Bon, vas-y, je t'écoute. Alors, t-shirt 31. T-shirt 31. Ok. T-shirt 2-0, ou tu peux monter. Ok. On est en noir. Ça ok, torse ou en vert, là, peut-être en vert pour les torse. Moi j'ai mis le 8. Enfin, après, tu mets comme ça, vas-y. Ouais, c'est ça, mais pourquoi t'as pas changé ton... Mais dis-moi en fait pour le tu m'as dit t-shirt pour le... 1, t-shirt 1, 31. 1, 31, d'accord. Torse, non, t-shirt, oui, oui. T-shirt. 31, ouais. Mais je suis à 31 là. Oui, oui, c'est parfait. Et le voilà. Donc torse 29. Torse 29. Ok. Attends deux secondes. Je regarde si c'est pas un truc genre. Hop, hop. Ouais. Et la couleur. Torse 2, 1. Ouais, okay. Parfait. Les bras, c'est 20. Okay. Jambes 24. Ça c'est comme les Norse. Jambes 2. Jambes 2, 1. Ok. Et chaussures 20. Chaussures 2. Chaussures 2, 3.
Richer. C'est une papillon, donc ces chaînes. C'est dans les premiers, je pense. Hein. Bah là, et tu mets en orange, évidemment. Ou alors c'est l'autre nœud papillon. Alors, ils n'ont pas amélioré leur truc d'étonnement. Putain, il faut que j'entende dessus. Quoi. C'est dans les premiers, je pense. En fait, il y a, les... y a celui-là. Celui-là, c'est celui-là. Celui-là, il n'y a pas. Il y a pas, c'est pas le mettre en orange, donc il faut prendre celui d'avant. Ouais. Mais celui d'avant, il n'y a pas de, il n'y a pas celui-là en fait. Non. Ah. Comme ça. Parfait. Ok. Et alors un chapeau gris, si tu as envie de mettre un chapeau melon. Parce que c'est un peu la marque aussi. Mais ça, c'est juste pour les OP. Hein. Après, tu dois. Attends, deux secondes. Chapeau. Je vais essayer de voir en fait. Non, c'est pas ce que je voulais. Laisse tomber, chapeau. Moi, chaque fois, ça déconne et ça m'énerve. Ouais, pas de soucis. Ça va, voilà. Ah. Ah putain, merde. Ça a pas enregistré? Ouais. Bon, non, je vais te le redire. Attends. Oui, c'est pas grave, je te le redis. C'est pas grave. Attends. 31, t-shirt 1. Torse 1, 29. Avec couleur 1. Non, il y a un truc qui dit 31, t-shirt 1, 31. Ouais. T-shirt 1, 31. Ouais. Voilà. Voilà. La couleur, là, ben vous voyez, tu mets le vert, ça c'est le 11. Voilà. Torse 29, avec couleur 1. Voilà. Voilà. Pantalon, 20, pantalon bras 20. Si tu veux des gants, hein, mais voilà. Ouais. Jambes 24. C'est géant ces vêtements, c'est affreux. Jambes 2, 1. Comme ça, ok. Ouais, chaussures 20. Chaussures 2, 3. Et puis ta chaîne. Parfait, et là tu sauves. Ok, alors. C'est pour le recel, c'est ça? C'est pour le recel et le blanchiment en fait. Quand il y aura des blanchiments à faire, on s'habille comme ça. Je trouve ça plus chic. Ou s'il y a un groupe qui veut nous voir pour parler des tarifs, on s'habille. Ça marche. Ok. Ok. But... Ah, ouais, t'es beau, t'es tout chic. Hey. Classe. Allez, tu peux remettre ton habit. En fait, j'ai pas mal d'habits, tu vois. Genre, j'ai ça, 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 ça. Ça ouais, mais c'est nickel, voilà. Ça, ça. Ça, c'était. Ouais, ça. Énorme. C'est parfait. Moi, j'en ai encore plein aussi, mais je vais une fois faire. Non, j'en ai un paquet en fait de mon côté, donc c'est. Après, il y en a peut-être que je vais modifier, tu vois, que je vais supprimer, que je vais rechanger pour faire des couleurs différentes, tu vois, mais ouais, ouais. Attends. On peut retourner. Ok, cool. Ouais, je garde toujours une petite touche de Norse avec l'orange, mais à part ça, c'est bien d'être discret aussi. Ouais, un minimum, quoi. Juste un minimum. Donc, avec Matt, ça s'est réglé totalement. J'ai été le voir. Et... Bah, c'est toi qui étais là, bah oui. Bah, je suis con en plus, t'étais là, toi.
Oui, c'est toi. Oh là là. Oui, mais c'est bon, on a, c'est plus cordial. Et... De toute façon, le jour où il aura des clients en... pour les armes, il devra passer pour moi pour blanchir son argent. Et celui que, quand on a fait une fusillade, a eu une balle touchée, il est devenu le chef des orpailleurs. Allez, on va aller voir les gens. Ouais, j'en reviens d'abord aux toilettes, j'arrive. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. De bordel chez moi, tellement trop bordel chez moi. Hop. Mis à part ça, docteur Constance est mis torse nu devant moi, donc non, bah, j'ai déboutonné le premier bouton enfin. Le premier bouton, ah bah dis donc. Bah, tu sais, les EMS ont toujours leur petit grain de folie à force d'être exploité, comme ça, tu sais, on en perd un peu la boule, quoi. D'ailleurs, vous êtes le propriétaire, si j'ai bien compris. C'est ça. Mais bientôt le bar va changer. J'aime beaucoup votre beau, en tout cas, cher monsieur. Ah, merci. C'est un gentil, pas Greg. C'est Greg, si. Si, coucou, tu vas bien? Bonjour, monsieur Greg. Monsieur Gregory Sandman, je vous propose... Donc 41-10. Oui, mais surtout, je vous présente... Notre nouveau docteur Monsieur... Clercieux, Constant. Docteur Constant, vous voyez, Madame Simona vous propose à mon employé. Bah, oui, ma donc... Oui, je vous propose et vous présente, et enfin, vous faites ce que vous voulez derrière. Hein, oula. Non, pas, surtout pas derrière, bon sens. dites donc. Mais... Tenez-vous, enfin. Vous lui faites une proposition, déjà? Elle propose mon derrière, bon sens. Moi, je veux bien venir au mariage. Bah, je sais pas, vous lui se propose. Enfin, je sais pas. Bon, 41-10, monsieur. Proposition Constant. En mariage, oui, j'en sais rien. Retenu, ça va. Et vous êtes monsieur, rappelez-moi. O'Neill, Henri O'Neill. C'est un lutin. Baisse les bras, c'est bon. Elle est où votre lutin mobile, monsieur pas Henri trouvé, il est venu tout seul. Ah, bah, elle est d'or. C'est un chaton que tu trouves dans un carton. Mais non. Tu sais qu'il est bien plus expérimenté. De quoi il parle? Mais de quoi il parle? Oh là là, putain de merde. Pardon, c'est moi le chaton dans le carton? Bon sang. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Ah bah je me plains, monsieur Constant. Ah bah je me plains aussi. Monsieur Henri! Oui. Vous avez fait une lutin mobile 4x4? Quoi? Oui. Venez voir, madame Simonet a fait une lutin mobile en 4x4, tout terrain. Oui, mais celle-là, c'est celle de Greg, mais j'ai la même à la maison. Constantine. Oh putain. Ah la 7ème compagnie quoi. Ça. Bah. Le Lucky Seven, le nouveau bar donc. Il va être très bien. C'est pour sa couleur hein. Il va être très bien le bar, ouais. Du coup, vous allez changer l'enseigne là-haut? Ouais.
Donc non, le bar va totalement changer et il y aura un nouveau panneau. Donc l'enseigne va disparaître. Ça va être un autre bar, vous verrez. Trop bien. Il sera plus ici. Va... Si, il sera ici, mais ça sera un autre bar. On change tout à fait les plans. C'est vrai que c'est un peu... ça va s'appeler le Lucky Seven et ça va être... Vous allez enfin utiliser l'étage, peut-être actuellement. Oui, il y aura un étage. Il va y avoir des lutins partout, regarde. Il y aura une réunion, il y aura même un billard utilisable. Oh oui, incroyable. Du coup, monsieur Constant, vous voulez pas vous habiller en orange et vert pour venir faire des interventions ici? Mais je peux, figurez-vous que j'ai cette paire de chaussures dans ma collection. Histoire d'être dans le thème. Il est encore plus diva que moi, à l'aide. Vous n'imaginez même pas. Mais franchement, le fait que vous accordiez votre stéthoscope avec vos chaussures et vos lunettes, je suis impressionné. Ah. Ah oui. Bon, Black Window, là, ça va bien sinon? Ah oui, la fenêtre va toujours bien, il n'y a pas de souci. Mais par contre, vous savez que là, dans à peu près 3 minutes, je vais prendre Belle, je vais te l'enlever. Oula. Vous faites ce que vous voulez avec lui, hein, on n'est pas... Ah non, pas comme ça. Pas comme ça. Vous avez des spasmes, dis donc. Non, pas comme ça, madame Simona. Je vais emmener Belle. Oui. Bah il a fui, très bien. Ah bah non, il est là. Et s'occuper de faire trop de balles, si je puis me permettre. Exactement. Vous allez lui fourrer votre scalpel. Oui. D'accord, j'avais pensé, oui, non. D'accord, j'avais pensé à une coloscopie, mais non. Non. Encore. Pour la coloscopie. Pour ça, c'est moi. Exactement. Ah bah, faut prendre une lampe torche, ça sera mieux. J'ai. Ah bah voilà, c'est bien. Henri, tiens-moi une main dans la tête tout de suite, maintenant. Ah, d'ailleurs, monsieur Constant, faudra qu'on discute de votre PPA pour lutter activement contre la faune de type puma. Écoutez, figurez-vous que je suis chasseur, en plus. Ah, c'est... D'accord. C'est pour ça que... Ouais, bah vous aurez juste un taser. Oui, tout à fait, en service, bien sûr. J'ai évidemment lu le règlement de l'hôpital, bien sûr. Ah, oh là parfait, là, mais qu'il est fort. Mais il est incroyable. Bah, il est incroyable. Ouais. Oui. Et tout seul, quand même. Et oui, au rendez-vous d'entreprise, c'est pour ça que j'étais un peu excité quand ils ont parlé de chasse. Oh. Ah oui. Et que j'ai approuvé l'idée. Ah bah j'étais pas là, je devais être en intervention, super. Ah oui. Bah... C'est toi qui as représenté l'Yellow, Mel, ou pas? Ouais. Mais... Non, c'est pas lui, d'accord. C'est pas un bon représentant, Mélanie. Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi tout. Ah non, j'ai été nickel, j'ai rien fait. T'as surtout rien fait, c'est ça, ouais. Ah, il s'est fait virer? Non, il est sorti de son plein gré. Et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était de la merde. De base, c'était pas lui en fait qui devait y aller. Moi, je me suis fait virer parce que j'ai eu un spasme et j'ai frappé Angel Flores. Mais je me suis fait sortir comme une lycéenne de 12 ans. Hein. Oui, une lycéenne de 12 ans, elle est en plein avance. C'est qui Angel Flores? Je vois même plus. Bah, c'est un chômeur invétéré de l'État. Et du coup. Le truc, c'est que derrière, je suis re-rentrée et après, j'ai eu plein d'interventions. Et Mel a décidé de me suivre, puis on a terminé au Yellow. Puis en fait, quand on a voulu retourner au gouvernement, eh ben c'était fini. Il y a eu un début de lapsus, j'ai l'impression. Oui, vous avez terminé au Yellow, bien sûr. On a terminé au Yellow, oui, bien sûr. Au Yellow, Madame Simona. Mon Dieu, Madame Simona, mais... Mais vous êtes mariée, en plus, vous êtes une femme mariée, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je n'ai rien fait! Putain, c'est pour ça que pour l'instant, en me réveillant ce matin! Shame on you! Shame! Ouais, j'aurais pas dit shame! Shame! Ding ding! Oh bah, du coup, je vais rentrer chez moi! On a les mêmes références! Adieu! Non, pas du tout! Mel! Ouais! Va falloir que tu montes dans une voiture! Pour montrer ton trou de balade à ce moment-là. D'après ce que j'ai compris. J'ai préféré appuyer mes mots, monter dans une voiture. Mais moi, si vous appuyez, c'est encore pire. Oh là là. C'est ça, truc. Montez, Madame Simona. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Non, ça se dit pas, Stéphania. Non, mais j'en montais dans la voiture, Madame Simona. Ah, bah super, bonjour. Ah, dans ma voiture, mais bien sûr. Non, bah, allez-y, je vous en prie. C'était très court, pardon. Non, il n'y a pas de soucis, Bon. En route. Oh, mais il vous va super bien, le flocage. Moi, il ressemble pas aussi bien. Bah, de profil. Encore un truc bien misogyne, ah, oui, ça. De profil, oui, c'est vrai. Mais par contre, de dos, il est impeccable, quoi. Absolument. Ah bah, moi, on voit tout le monde.
Ah ben moi on voit rien. Ah ben nous on voit pas grand chose. Non, on voit rien. Avec le parachute c'est un peu compliqué. Allez, on va opérer Mel. Allez. Vous voyez quelque chose là? Je vois P et C donc. Dommage, c'est marqué EMS. Comme... Ouais, ah non, le flocage est PC. PC, ouais. Et elle part sans vous. Bon, vous dites pas au revoir comme d'habitude. Bah, je dis pas au revoir. Enfin, si, enfin, oui. Vous repassez, oui. Voilà, repassez, on va passer. Le temps va être. Tant mieux, vous n'aurez pas, le temps de savoir que je suis parti. Oh ben, je vais essayer de m'ennuyer. Ah ben bien sûr. Attendez, il y a plein de choses. Quoi? Il y a plein de gens qui parlent. Quoi? D'accord, un karaoké en plus. Allez, hop là. Et monsieur Constant? Je vous suis peut-être si je dois vous assister. Oui, allez. Bah, vous pouvez venir avec moi. Et, Stéphanie, vous pouvez venir aussi. Faites ce que vous voulez. Non, je reste ici au cas où il y a des soucis. D'accord, ok. Bah, monsieur Constant. Par contre, j'ai pas d'ambulance. Oui, bah tant pis, on fera comme on peut. Hein. C'est ça, tant pis. Ouais, bien, je monte. Ah, mais c'était grave, son j'aime pas le tout à l'heure alors. A tout à l'heure. Adieu. Il y a beaucoup de monde qui s'en va d'un seul coup. Ouais. Je vais aller changer de voiture, je vais reprendre mon brawler et j'arrive. Je vais prendre ma voiture de lutin. La lutin mobile. Lutin mobile, ouais. Ah, il perd pas le nord. Hein. Oula. En plus, c'est un message. De... Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Il n'y avait pas de gestion des ondes, c'est dégueulasse. Mais il a quand même oublié sa caisse, quoi. Il est passé où, lui? Greg? Ouais? T'as mis l'option drift sur ma caisse ou pas? J'ai mis quoi? Le drift sur ma caisse. Ok, bah alors c'est moi qui fais du drift tout seul. Et techniquement, en fait, c'est juste un gros bouton sur l'écran, en fait, qui permet de faire le drift. Et il faut rester appuyé dessus, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Bah oui, quand tu fais du drift, tu t'appuies sur ton bouton, tu fais ton drift, putain, quoi. C'est... Oui, je roule.
rien à foutre là, toi. Ah, ça c'est classe. Ah, il est bien, hein. Ah, ça c'est classe. Voilà, quand on ira, on devra aller amener pour des soirées ou quoi. Hop, on prend. Oh, ça c'est classe. Ah ouais, mais c'est beau les couleurs, hein, pour le bar, le Lucky Seven, ça va être bien. Enfin, North et Lucky Seven. Il y a un truc qui me dit que je vais changer mes jambes pour mettre des trucs orange. Ah oui, oui, oui. Mais je trouve sur le brawler, c'est... Je sais pas, en carbone, mais c'est vrai qu'avec l'orange, ça donne bien. J'hésite. Je me dis que... Si tu le fais, je regarderai ce que ça donne et j'irai peut-être le faire changer moi-même. Mais on fera un test avec Marco. Mais c'est... Ouais. Ça me tente bien, tu vois. Ouais, ça donne bien, mais la couleur est trop bien. Franchement, quand il a trouvé ça, Marco, j'ai fait ouais, ça c'est la couleur qu'il faut. Ouais, pour le Lucky Seven et pour les Norse, quoi. Ouais. Oh, je vais être content quand on aura le nouveau bar. C'est pas que j'aime pas le yellow hein, et Jack, mais il faut que ça change un peu. Non, mais c'est vrai, c'est faut des gens de toute façon. On va aller de l'avant, ça sera beaucoup plus chic, on aura l'étage, on pourra faire du billard. Ouais. Il y a même une chambre, donc il y a peut-être possibilité de pouvoir pioncer là. Tu vois, même pas devoir acheter d'appartement en or et avoir la chambre du yellow. Ça peut être bien, ouais, mais faut voir si ça peut mettre un coffre en haut, quoi. Ah bah il y aura des coffres, il y aura le frigo en haut, tu vois. Mais après, est-ce qu'on demande de changer le quartier de foutre au yellow, tu vois, tout le truc des Norse, ou on garde notre quartier où on est. En fait, avoir plusieurs coffres, ça peut être bien, tu vois. Ouais, on va garder le quartier où on a. Parce que globalement, tu vois, c'est genre, c'est ça que je pensais, tu vois. Si t'as plusieurs endroits où tu planques tes trucs et où on a tous accès. T'as tous accès et on peut planquer des trucs à gauche à droite, tu vois. On est pas obligé de tout avoir à un endroit. Tout à fait. Ouais, je vais. Oui, non, c'est clair. Il faudra voir si j'ai un frigo. Si on a un frigo. Je vais essayer de demander, tu vois, il y aura un frigo en bas pour le yellow. Mais j'ai vu qu'il y avait un frigo en haut. Je vais essayer de demander d'avoir ça comme coffre personnel en plus pour les Nord. Comme ça, il y aura que nous qui aurons accès, tu vois. C'est ça. Ceux du yellow n'auront pas accès, il y aura que nous qui avons accès. Je poserai la question. Bah c'est voir juste ça, si c'est possible. Donc si c'est le cas, bah on plante des trucs dans le frigo du dessus et puis voilà quoi. Oh là là, mais c'est trop beau comme couleur. Sincèrement, c'est la couleur de l'orga, c'est trop bien. Non, j'aime bien. Franchement, c'est classe. Ouais. Ça c'est classe. C'est terrible. Je me demande ce que ça pourrait donner, tu vois, avec le sultan. Alors que tu vois, là tu vois, on est vraiment sur du vert orange et ça fait même pas familise, tu vois. Tu parles de quoi? Bah, ça fait nous quoi, tu vois, ça fait Norse, tu vois, ça fait pas. Oui, c'est ça, c'est vert émeraude et l'orange foncé. Franchement, parce qu'il il m'avait essayé l'orange clair, mais je trouvais pas ça beau. Ici avec l'orange foncé, ça donne trop. Ouais, c'est tout à fait Norse. C'est parfait. Norse, et en plus, ça fera l'IQ7 qui est un bar irlandais. Donc, c'est parfait. Ça marche. C'est top. C'est vraiment top. C'est top. Ah, si Kevin revient, il va être tout étonné, tout aura changé. Ouais, mais faudrait faire. Limite, on lui fait des photos, tu vois. Oui, on peut lui faire. Il va peut-être pas aimer la couleur, lui. C'est possible. Moi, j'aime bien. Moi, en tout cas, je surkiffe. Je vais lui envoyer la vidéo du nouveau bar. Ouais. Bye. On se redonne du son.
Ouais, ouais. Non, c'est beau, c'est beau. On a trouvé les bonnes couleurs. Ça avance. C'est... Ouais, ouais. Là, dorénavant, voiture du UK7 ou des Nord, ça va être ça. Ouais, ça va être bien. Ça va être bien. On revient quand même pour les jantes. Le ouais, vas-y, va chez Marco, va essayer. Si c'est beau, j'irai changer les miennes aussi. C'est toi qui vois. Lui, il a dit sur le brawler, il trouvait ça plus beau les jantes comme ça. Après, c'est vrai qu'en orange, ça peut donner un petit coup en plus. Visite, tu vois. Elle est partie, madame Stéphania, là. Je sais pas. J'étais aux toilettes, puis c'est 5 minutes, et puis quand je suis revenu, il était plus là. Bah, c'est comme Vito, il est plus là non plus. Ouais, y'a peut-être un souci, je sais pas. Je crois qu'ils ont des problèmes peut-être. Ouais, ouais, sûrement. Sérieux, le Lucky 7 avec le petit logo là, ça va être trop bien. Ouais. J'ai hâte. Après, info, donc déjà demain, je serai pas là. Aucun problème, tu me dis quand tu. Tu m'envoies un mail, tu me dis quand t'es là et voilà. Y a aucun souci. Probablement jeudi. Vraiment jeudi. Vendredi. Jeudi. Ok. Parfait. Demain sur le continent en fait, je dois aller au dentiste. Au cours de? Non, je dois aller chez un dentiste. Ah j'ai compris au cours de dentiste. Je fais ah bon il fait des cours. Non tout à fait normal. Ouais tu vas être KO après ça c'est clair. Mercredi t'as des jeux de rôle je suppose ou je sais pas quoi. Bah, mercredi c'est plutôt pour avoir une petite pause de mon côté et pour être tranquille quoi. Ouais. Ouais, non, jeudi, c'est bien. Parfait. Jeudi, vendredi. Ouais. Jeudi, vendredi, je pense. Ça, c'est depuis ce... Ouais, ok. Nickel. Ouais. Ouais, ce soir, je vais aller dormir tôt. Peut-être aussi, je sais pas encore. Ouais, non, mais j'ai été... En fait, j'ai pas dormi la nuit passée. J'ai pas dormi et j'ai une trachéite, tu vois. Donc, que j'ai laissé traîner depuis des semaines. Donc, ça fait plusieurs nuits que je dors pas. Et j'étais aujourd'hui chez le médecin, il m'a donné des antibiotiques. Là, je suis 3 jours à la maison. Sont que j'ai un peu pas mal dormi cette nuit-ci, ou pas très bien, mais. T'as pas bien dormi? Ouais, disons que. Entre ma coloc sur le continent et son copain, ça se passe pas très bien. Et quoi, il traîne la partie, c'est ça? Disons qu'une engueule à 1h du matin, c'est pas top quoi. Oh, mais ça, il faut lui dire. Quand tu boulottes, hein. Je dis. Bah, c'est, ouais, c'est ça qui passe ça ailleurs, mais qui s'engueule pas quand vous êtes. Quand tu pionces, quoi. Super. Mais, disons que vraiment. Il devrait plus y avoir d'engueulade. D'ici fin de semaine. Ah, elle va l'envoyer chier, ok. J'ai cru comprendre que ça allait se finir. Hein. Ok. Après, bon, moi je suis prévenu, c'est. Parce qu'elle me fait, ouais, mais ça fait plusieurs fois que je lui préviens et tout, mais meuf, pourquoi tu lui sens pas une chance, quoi? Je comprends pas, c'est des fois, je les comprends pas. Genre, il laisse plusieurs chances, tu vois, des gens qui, bah, sont perdus, tu vois, c'est rien, perds pas ton temps, quoi, c'est pourquoi tu perds ton temps? Kevin a du mal, il a un problème avec 5M, ça fait crasher son PC, t'as une idée, toi, ce qu'il pourrait faire? Parce que je lui ai montré, le nouveau bar, il aimait bien. Est-ce qu'il a installé, désinstallé le truc? Je viens de lui demander. C'est parfois c'est juste ça. Après si c'est pour moi ce serait juste, il faut qu'il désinstalle tout, qu'il réinstalle tout, qu'il vide les caches. Ouais. La base. Et dès qu'il a la base. Base et que c'est décolle, bah je sais pas en fait, soit s'il y a putain. Technicien. En fait, ça dépend. Ça dépend de plein de critères. Pour moi, c'est déjà installé. Oui, c'est ça, mais pour moi, il doit tout virer et tout remettre. Quoi. Déjà, ça serait savoir, genre, quel âge a le PC, est-ce que le PC n'est pas trop vieux, est-ce que le PC, genre, à un moment donné, bah, il rend pas l'âme parce qu'il y a un autre. Est-ce qu'il n'y a pas un autre programme en fait, qui sort en même temps, qui bloque tout, qui déconne tout. Est-ce que genre, le.
allez. Est-ce que le fire, enfin, est-ce que d'un coup, en fait, son antivir et son firewall ne pète pas une durite parce qu'il y a un truc qui déconne et qui fait chier le monde. Ça peut être tout n'importe quoi. Donc, qu'il fasse des tests, qui voit en fait. Au moins, le premier truc, c'est installer, désinstaller, réinstaller. Et si ça passe pas, Ouais, je lui ai dit, bah, on verra comment il va faire. T'inquiète. Ouais. Kevin ou Bloch, il mourrait. Ouais. Après, s'il veut s'amuser. Ah, il y a pas mal de flics qui passent. Ouais. Bah, j'ai vendu des pochons pour voir un peu les prix. La mètre, c'est toujours de 240. En 220. Et la coke, c'est 180 ? Entre 180 et 200. Ouais, c'est ça. Et la mètre, c'est bien 220. Entre 200 et 230. Ok. Bon. Parce que, ouais. Oh, en moyenne, c'est ça. Excuse-moi. Donc, en moyenne, tu fais 210-220. Avec ta mètre. Et 280-190 avec la coke. Ouais. Attends, je vais aller me mettre sur le côté parce que je dois passer un appel sur le continent. Donc, ça va, tout à l'heure. Permets une seconde, j'arrive. Ouais. Je vais vite. Ici, faut faire du rangement. Bon gros rangement. Bon. Alors, s'il se passe rien, 21h, on coupe le live. Ouais, je crois.
C'est tellement con, mais ça me pète pété derrière chaque fois. Je vais pas aller. J'ai quand même eu pas mal de RP depuis. Pourquoi ces connards? Voilà, désolé. Non, en fait, oula. Ah oui, il y a un petit truc aussi, tu vois. Aïcha, des EMS. Oui. L'ancienne des EMS.
Mais maintenant, elle travaille ailleurs et puis elle est rentrée dans la famille des gitans, donc. Bah, elle était au chéri, en fait. Oui, oui, mais elle est. En fait, c'est la fille de Marco. Apparemment. Donc, elle est. Ah, d'accord. Ouais. Enfin, elle va pas lui raconter, hein. Il me l'a dit à moi, donc. Je te le dis. Mais parce attends, c'est sa fille ou c'est. C'est sa vraie fille, c'est sa vraie fille. Apparemment, c'est sa fille biologique, mais il ne le savait pas. Donc, maintenant. Mais elle a amené des preuves, donc. Okay. Elle a amené des preuves, donc il s'en occupe. Bon, tu dis rien, tu le laisses. Tu le laisses t'en parler, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que Victor voulait faire une romance avec. Mais le problème, c'est que ça va pas le faire parce que, on peut pas faire d'alliance dans les organes. Donc si des membres d'une orgasme sont ensemble, c'est pas une alliance. Non, t'es sûr? Eux, ils le considèrent comme ça, tu vois. Je pense que les gitans pensent comme ça parce qu'ils veulent absolument pas que Victor sorte avec Aïcha. Je crois que dans leur tête, ils se disent que s'ils se mettent ensemble, ça sera d'office les deux orgas qui vont être en alliance, tu vois. Bah, c'est pas une alliance en fait. Oui, mais. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais pour eux, je comprends leur idée aussi, tu vois. C'est pas une alliance pour une raison simple. Les deux personnes, si ils ont envie tous les deux de faire ça, ouais. C'est pas des principaux. C'est pas genre toi ou Kevin. Oui, oui, d'accord, c'est mais. C'est pas Marco ou Milan, tu vois. C'est ouais. Pas les chefs. D'accord. C'est des petits pions, tu vois, entre parenthèses. Oui, mais après, de toute façon, Marco et Milan, ils veulent pas. Donc après, c'est leur respect. Je pense qu'il va pouvoir se gratter avec eux deux. Je vais t'expliquer un truc niveau RP. Ouais, dis-moi. Il y a un truc qui s'appelle. Attends, laisse-moi réfléchir. C'est un truc que Shakespeare a fait il y a quelques années. Comment ça s'appelait déjà? Roméo et Juliette? Oui, oui, mais ça, je veux pas être en guerre avec les gitans. Donc, non. Mais non, c'est pas en guerre avec eux. C'est tout son compte. Nous, on en a rien à foutre, tu vois. Roméo, c'est à peu près ça. C'est juste que. Dans Romeo et Juliette, les femmes étaient un peu plus en guerre. On n'est pas en guerre, mais c'est parce que techniquement, ils peuvent très bien le faire, mais en masqué. Oui, oui, mais c'est ce que je lui dirais. Je lui dirais qu'il peut le. Après, s'ils veulent en discuter, à HRP. En fait, aussi, il a pas été malin. Marco était au courant qu'il courait après Aïcha parce que ils se sont vus dans un magasin de vêtements en face du garage des gitans. Dis-toi bien qu'ils ont des yeux partout. Alors le gars, il était pas très fut-fut. Écoute, c'est pas ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie. Enfin, moi, ils font ce qu'ils veulent, moi ça me dérange pas. S'ils se mettent ensemble, ils se mettent ensemble. Ça me passe au-dessus du ciboulot, je m'en casse les couilles. Par contre, t'étais pas là. Donc, Madame Merrill a créé un marché qu'on aura tous les mercredis ou jeudi soir. Ah oui, oui, oui. Un marché, donc on aura un emplacement et tout. Okay. Bon, c'est en cours de fabrication. Ok, d'accord. Pourquoi pas ? Donc, ça, c'est pas mal. Ça peut dire. Ça, c'est une autre chose. Ça peut être cool. Moi et Meryl, je pense que ça ira pas plus loin que les discussions. Donc. Quoi, non, oui, oui, c'est un peu compliqué. Il a dit oui. De quoi? J'ai dit le plan cul. T'as fait oui, non. Non, non, mais c'est... on n'en est pas encore arrivé là. Aussi. Mais je pense que s'il y a un truc, ça sera juste un plan cul, tu vois. Ça ira pas plus loin. Là, j'ai plus pour le moment, j'ai plus de nouvelles. On devait se voir dimanche, on s'est pas vu. Moi, je cours pas après. Terminé. C'est l'envie, elle a mon numéro, elle m'appelle. Ok. Bon, j'aimerais bien trouver un plan pour avoir des bouteilles de grand cru moins chères. Je suis sûr qu'il y a moyen qu'on nous les vende $15. Et comme ça, quand on va vendre aux resellers, ça nous fait. Même il faudrait essayer de les acheter $10, comme ça nous fait $20 dans les poches. Ou les voler, ouais. Mais ça, après, il faut vraiment que ça soit millimétré et qu'ils se rendent pas compte. Il faut qu'il y en ait un de nous qui se tape un truc chez eux, tu vois, en tant qu'employé, quoi. Ouais, ce serait pas mal. Ou faire un ami-ami avec un employé de là-bas. Mais comment il s'appelait encore, l'autre, là? Chris Taylor, là, c'était pas plus ou moins un pote entre parenthèses.
Oui, mais il est le patron des vignerons, il va pas me donner son truc. Mais il va pas me vendre vraiment cher. Non, je lui ai posé la question, il les vend 50 dollars, j'ai fait laisse tomber. T'sais. Il y a pas moyen de négocier un truc, genre on achète en masse, tu nous fais moins cher. Justement, normalement il les vendait 80, et si j'achetais en masse, il les vendait 50. Laisse tomber quoi. Donc il faut qu'on trouve un autre système. On va essayer de trouver quelque chose pour les avoir, pour en avoir. Comme je te dis, ton... Mais avant, ce que faisait... En fait, les vignerons étaient au courant que les gitans faisaient le recel. Donc, eux leur donnaient des grands crus qu'ils ne vendaient pas. Et donc, sur les 30 dollars par bouteille, 20 dollars allaient aux vignerons et 10 dollars allaient aux gitans. Donc, faudrait leur reproposer ça, mais moi, ouais, je me vois mal le faire. C'est intéressant, quoi. Parce que ça fait que 10 dollars, 10 dollars la boute. Mais excuse-moi, mais... Bah, c'est 10 dollars gratos, puisque eux nous filent le grand cru, tu vois. On doit pas le payer, on doit pas le voler, c'est eux qui nous le donnent, donc... Ouais, mais... Après, on peut refaire la négociation 15-15. Autant faire du yellow, quoi, parce que... Enfin, autant faire du whisky, quoi. Oui, mais ça juste pas. Whisky, c'est le double, quoi, tu vois, recel, tu le... Après, si on arrive... Si sincèrement, on arrive à voler des grands crus, voilà, ça, c'est bien. Si on arrive à avoir des grands crus qui tombent du camion, ça me va. Là, on doit tout en bouffer, ici. Ah, mais moi je trouve qu'il faudrait qu'on trouve qu'on ait quelqu'un de chez nous qui bosse là-bas. Ouais. Tu vois, genre un double, tu vois. C'est... Et lui, tu vois. Ah, si Pierre revient. C'est des quotas, il faut qu'il fasse des quotas, tu vois. Ouais, si Pierre revient, comme il n'y a plus de concessionnaires, on pourrait peut-être le mettre. Travailler chez les vignerons et qu'il nous pique des bouteilles. En gros, il fait genre son quota, tu vois. Et il y a ce qui s'est faisable, tu vois, en un peu de temps, tu vois. Et bah, il cravache pour le vin et tout le surplus, bah, c'est pour nous, quoi. Ouais, je proposerais, mais ils prennent que le grand cru, hein, le vin classique, ils prennent pas. Ouais, non. Ok. Bon, on fera ça, on va essayer de trouver ça. Ouais, bah, écoute, mais sinon, oui, c'est vrai que le whisky, c'est... Bah, faut faire que du grand cru, en fait, mais je sais pas comment ça fonctionne, donc... Il faut aller, ouais, mais il faut être engagé chez les vignerons, tu récoltes ton raisin et tu vas faire du grand cru. Oh, mais je suis malade, mais non. Ni c'est ces trucs au curry à l'autre qui me vont pas. Bah, arrête de me foutre du curry, mec, ça fout la chasse. C'est dur, moi, j'ai un truc, là... J'ai que ça à manger... T'as pas acheté autre chose? T'as pas passé au Todoroki pour récupérer les trucs? Faudrait refaire une commande. Oui, faudrait refaire une commande. Mais il reste plus rien ou pas? Il reste plus rien, non. Bah, t'as été parti longtemps. Ouais, c'est vrai. Attends, je pose la question. Pose à qui? Bah, c'est tout doit être ouvert. Ma dernière commande c'était 5000, donc techniquement je peux en refaire une grosse, quoi. Ouais. Y'a pas l'air d'être ouvert parce que j'ai pas de réponse. Hein. Ça sent de merde. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait refaire une grosse commande au tuto. Ça, tu vas faire une grosse commande, frère, hey, mec. Allez, envoie 10 de chaque. Wesh, gros. Sinon, on va faire des cacahuètes, quoi. Mais cacahuètes, c'est pas nourrissant, quoi, tu vois. C'est... On fera une commande au Todoroki, t'inquiète. Ce qui est bien, c'est dans le Bruto, il y a 300 kilos de coffre. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Oh là là, oh putain. Ouais, je vais attendre que le banquier arrive là, pour lui verser ses sous. Bah, hésite pas, on voit un petit message. Hein. Ouais, bah, il m'a dit, je vais envoyer un mail, il m'a dit qu'il m'enverrait un message quand il est en ville. Ok.
ok, ça passe. Ah ouais, dis. Le Lucky Seven, ça va être quand même plus beau comme nom que le Yellow. Yellow Jack, c'est pas mal, mais c'est vrai que là, sous le coup, avec... Bah, le Yellow Jack, c'était bien quand il y avait Jack, tu vois, mais ici, il est plus là, donc... Ouais. Comme quoi, il s'est laissé abattre par l'amour, quoi. C'est à cause de... Mais il s'est passé quoi? Il est mort comment, en fait? En fait, je t'explique. Donc, il était parti chercher les restes de son cousin, là. Et en fait, il s'est fait prendre. Tu vois, sur l'autre ville qui a sauté là. Mais il était revenu en fait. En fait, ce qu'il y a eu, il est parti là-bas, puis il y a eu une sorte de tempête, tsunami. Oui, il s'est fait prendre par des gens. Par des pirates. Il s'est fait battre. Voilà. Je l'ai vu l'autre jour, avant mon départ en vacances. Ah oui, tu l'as vu. Voilà. Et en fait, quand il est revenu, voilà, on l'a amené à l'hôpital, il est encore avec Yon et tout. Et à un moment, lui et Yon ont discuté et ils ont mis un terme à leur relation. Ouais. Chose qu'il a eu du mal à accepter. Après, je me suis dit, dans quelques jours, ça va aller mieux. Alors, tu connais Jack, toujours le gars, faire ses blagues et machin. Mais il y a un soir. Tu vois, Yon s'est rapproché de numéro 19. Tu vois, ils sont plus du même âge et tout. Donc, il y a un soir, Jack dit, je vais dormir. Donc, il part dormir. Et en fait, il a attendu au-dessus d'un toit. Que Maximilien et Yon reviennent pour voir ce qu'ils faisaient, tu vois, le fou quoi. Et en fait, quand il a attendu là, il est descendu du toit, il y avait des moldus, il s'est fait frapper par les moldus, et en fait, enfin par les locaux, et en fait, sa blessure s'est réinfectée et il est tombé dans le coma. Bon, il avait picolé tout entre temps, mais voilà. Donc, c'est avec sa blessure s'est réinfectée, ils n'ont pas su la soigner, voilà. On l'a fait des. Donc, il y a un moment, il était sous respirateur artificiel et dans le coma. Et moi, j'avais pris la décision de le débrancher. Donc, j'ai demandé à Yon de passer. On en a discuté. J'ai dit, écoute, moi, ma décision est prise. Je voudrais le débrancher. Après, si toi, tu estimes qu'il faut encore le garder en vie X temps, tu peux. Mais dis-toi que si dans 5 ans, il ressort de son coma, il aura des séquelles irréversibles. Et moi, voir Jack dans un fauteuil avec la bave, j'ai pas envie, tu vois. Elle a réfléchi et puis à un moment elle est revenue, elle a dit oui t'as raison, on va faire ça. Donc, on a été lui dire au revoir à la chambre d'hôpital et Madame Simona a débranché l'appareil. Voilà. Okay. Mais tout ça, en fait il s'est laissé aller parce que Yon l'avait largué. Il aurait pu tellement être différent, être beaucoup plus fort, rentrer dans les Norse, être un élément important. Non, il s'est laissé aller. Après chacun réagit comme il veut. Hein. Je trouve ça dommage. Ouais, non, ça va. Ok, je vois. Voilà, t'as toute l'histoire. En fait, c'est des locaux qui l'ont tapé tellement fort que sa blessure s'est rouverte. Ok. Ouais. Il y a des avocats maintenant en ville. Ah ouais? Ouais. Tu veux leur numéro? Qu'il y avait des avocats en fait. Non, c'est pas pour leur nom en fait. Enfin, pas maintenant. De quoi? Pas maintenant. Ok. Je les appellerai bien une fois pour voir un peu ce qu'ils proposent comme service. Et c'est quoi le leur nom? Maître Scott et Maître. Attends. Maître Boss et Maître Scott. Ouais, je vois en fait, il y a un truc Boss et Scott, c'est ça hein. C'est ça, ouais. J'ai une fois leur téléphoné. Ouais, c'est une idée. Je vois ce qu'ils proposent, quoi. Ouais. Bah, je sais qu'ils avaient passé dans les entreprises normalement, mais. Pourquoi pas, hein, c'est là. Bon, on va essayer le deuxième avocat, le premier est pas là. Du.
Bon. Bon, bah, tu fais jamais serrer par les flics parce qu'ils sont pas là, les avocats. Super. Je me suis jamais fait serrer. Oui, je sais. Alors après, j'ai failli me faire serrer une fois. Hein. Je t'ai expliqué. Non, dis-moi, raconte. Bah, en fait, il y a deux fois où, juste un endroit très précis, j'ai failli me faire choper par les flics. Et donc, du coup, je crois que je vais éviter ce endroit. Ah ouais. Ouais, ouais, oh, c'était où? T'as. Comment t'expliquer? Bon. Tu vois les Orpailleurs avec le coin de, oui, de Nif, voilà. Ben, oui, oui. Dans le coin là, t'as une station d'essence, d'accord? Ouais. Et ben là, il y a un endroit. En gros, j'étais en mon quad. Je fais, oui, ma petite vente et tout, etc. Ouais. Je remonte sur mon scooter, je vois le flic. Pas sur, ouais, sur, okay, sur mon quad. Je fais mon petit tour, tu vois, genre, je vais. J'avais genre, je crois, 52 mètres sur moi, un truc ainsi, je fais « Oh putain !» Et donc, du coup, je panique, et je me dis « Je vais rouler lentement, etc. » Je roule lentement, je fais le tour du pâté maison, je recroise le flic, je commence à rouler un petit peu loin, je regarde derrière moi, il n'y a plus rien, puis je vais rentrer, je me casse. Bon, là, plus de problème. C'était il y a, ouais, je crois, un mois ou deux. Et là, genre, je crois, il y a trois semaines, peut-être deux, trois semaines, un truc ainsi, je vends en fait un peu à gauche à droite, puis je me retrouve à cette station essence là où je commence à vendre. Et à un moment donné, tu vois, genre, j'appuie sur le bouton, tu vois, pour. Enfin, j'appuie sur. Enfin, je commence à ma vente, sauf que je clique trop vite qu'il y a un mec à côté de moi en voiture, banalisé. Oui. Et je repère trop lentement en fait que c'est un keuf, quoi. Ouais, c'est Maximilien, sûrement. Sûrement, sûrement, je crois que c'était lui. Et donc, du coup, en fait, je finis ma vente. Ouais, il était tout seul. Ouais. Il a actionné les CNRN, je rentre dans la bagnole, il se fout devant ma gueule. Je recule, je passe à l'autre côté parce que t'as un autre côté en fait, parce que t'as deux entrées en fait au truc. Il se rebloque et j'ai réussi de passer de justesse sur le côté gauche, tu vois, en percutant un petit peu son véhicule avec le brawler. Okay. Ouais. Et là, je me retrouve à tracer ma race, mais ma vie comme un dingue, pour essayer d'éviter. Et je crois à un moment donné, tu vois, je me suis pris une bagnole, tu vois, dans le haut de la ville. Ouais. Et je suis resté sonné genre 5 minutes, tu vois. Et je suis resté là, tu vois, parce que j'étais complètement sonné, mais je l'ai pas revu, le flic, tu vois. Qu'il a pas su me suivre, en fait. Tu vois, quand tu m'as dit que t'avais raconté des conneries à l'autre gars, là, je sais qu'il a prévenu les flics, hein. Simplement, t'avais une plaque, t'avais volé une voiture, donc c'est bien, mais. Attends. Il revêtait. Bah oui, les fausses infos sur Enola et tout, tu vois. Pause deux secondes, t'as appris ça comment? Parce qu'il discutait qu'un gars avait donné des infos et voilà. Ah, ok, c'est possible. Non, mais. Bah oui, non, mais il est venu ici, il dit oui, il y a quelqu'un qui est venu. Il y avait Maximilien, il y a quelqu'un qui est venu et Maximilien a parlé en disant oui, ben. On a pris la plaque, mais comme c'était une voiture volée, on n'a pas su le arrêter. J'ai rigolé comme un malade. Ouais, je me doute. T'as rien dans du mêlin, tu veux. Bon, il s'en fout, c'est le genre de truc qui ferait mêle, donc. Donc ouais. T'inquiète là-dessus, ouais. Non, mais c'est genre, en fait, ce truc, c'est que la plaque en question, c'était même pas un véhicule volé, c'est un autre véhicule à moi, sauf qu'ils sont pas les. Ils savent pas vérifier, tu vois, tant que. Tant preuve, tu vois. C'est qui fait, tu vois, donc oui, mais voilà, ouais, c'est bref, c'est surtout un véhicule que j'utilise pas des masses. Mais j'avoue que je l'ai mal senti un peu, enfin, j'ai senti à 50-50, tu vois, c'est soit ouais, je crois que tu avais bien négocié, mais je pense que sur la fin, t'as dû t'embrouiller un peu, ça l'a mis la puce à l'oreille. Je me suis embrouillé sur un truc ou l'autre, ouais. Ouais, bon, c'est pas grave, c'était comique quand même. C'est non, parce que c'est je sais pas si t'as lu Weasel News. Je me doutais avec les news du Weasel News que ça n'allait pas, etc. Ouais, et monsieur, ouais, et monsieur Black qui attaque madame Morrison là dans Weasel News aujourd'hui, c'est pas mal. Ah ouais, double emploi, parce qu'il m'avait téléphoné en me disant oui, vous trouvez ça normal que madame Morrison a un double emploi? Je dis bah elle fait ce qu'elle veut, écoute.
Voilà. C'est ça, quand j'ai un acquis qui s'achète. Hein, Oui, mais je sais qu'il y a un projet de loi pour empêcher ça. Enfin, je sais plus trop. Après, lui, il a une vendetta contre elle, c'est son problème. Oh, la presse contre le gouvernement, c'est pas mal. C'est la presse, on s'en fout. Ouais, c'est la presse, quoi. Bon, non, il faudrait l'autre, c'est le gouvernement. Parce que son truc de comité de citoyens, là, même elle s'est cassée tellement que c'était chiant. Donc. Ouais, mais surtout parce que finalement, c'était plus un comité citoyen, c'était un comité patron. Un comité quoi ? Patron. Ah ouais, avec des patrons en fait. Oh, bah, y a que les patrons qui parlaient, moi j'en avais rien à foutre, t'as parlé d'investisseurs de l'argent. Mais normalement, c'était les patrons pouvaient pas être là, c'était les employés, les patrons. Ah ouais, il y avait des patrons qui étaient là, alors du coup, moi je me suis barré. Hein. Elle a dit qu'elle ferait un truc de patron après. Ah, pas fait. Moi je vais y téléphoner parce que ça va pas ça. Après, je m'en fous, ils ont parlé de quoi les patrons ? Oh, ça parlait de problème, il y avait un truc sur le marché, comme quoi il fallait pas subventionner le marché de la ferme parce que elle vendait ses produits, enfin ça parlait de trucs intéressants. Et qui a dit ça ? Bah qui a dit ça ? C'est une très bonne question. Parce que personnellement... J'étais en train d'envoyer des messages à des gens. Personnellement, je vais quand il y aura le marché, je vais vendre les produits du Yellow là-bas aussi, donc... Ouais, je sais pas, ils sont chiants. Ils sont jamais contents quand on organise tout. On va refaire un fight club, tu vas voir ça. Oh putain, ouais, moi je suis d'accord avec ça. Hein. Ça marche. Bah, on va ici pour fin septembre. Il faut que ça soit légal, donc on doit aller au Speedy leur demander l'autorisation aux EMS. C'est obligé. Si on fait ça, ils vont descendre et on va tous se faire choper. Je préfère qu'il y a un gars, un policier, juste un policier. Je crois qu'il y a j'ai vu une bonne femme à la soirée de Caponnière, une flic qui a l'air assez balèze. Ah, la meuf qui essaie de se taper tous les mecs. Quoi ? Avec son t-shirt blanc là, oui, sûrement que ça doit être elle, oui, je sais pas, je connais pas. Elle était près de Madame Harrison. Il y a un flic qui essaye de se taper tous les mecs. Oui. Ah, en parlant, tiens, de Devine qui croisait à l'hôpital. Qui, vas-y, dis-moi. Madame Jones. Bah, super pour elle, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oh, je sais pas, c'est cool. Elle s'est fait cribler de balles, du coup, ça m'a fait rire. Voilà, c'est tout. Cribé de balles par qui ? Bah, elle devait se faire retirer des balles, je sais plus. Non, mais je t'avouerai que j'étais encore en train de dormir un peu à ce moment-là. Je vais lui envoyer un message. Voilà. Ouais, c'est ça, tu fais genre tu t'inquiètes, etc. Et après tu la fonderies, hein. Je vais dire oui, mon employé m'a dit que vous aviez été fait retirer des balles. Je m'inquiète. Tu t'es fait retirer ton trou de balles. Non, pardon. Tu joues le mec paniqué, tu vois, genre. Putain, mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-moi. Ouais, c'est bien friendzone. Oh, mais ça, oui. Bah, après, si c'est friendzone, c'est pas grave. Ça peut toujours évoluer, t'inquiète. Un peu comme toi et Madame Simona, quoi, friendzone, quoi. Pas. Tu m'as cherché. Ah putain, c'est le man, quoi. Parfait. Là, ma clé. Oh mon dieu. Nickel. Sublime. Bon, et sinon, il y a du monde qui est là ou... Ouais, je pense pas qu'il y aura du monde. Ouais. Ouais, alors, je crois que je vais me coucher moi pas longtemps quoi, parce que il fait tard. Ouais, vas-y, bah, va te coucher, t'inquiète. C'est déjà cool que tu sois revenu donc ouais, je sais, tu viens à peu près 4 jours, tu vas venir. Bah, j'essaierai de revenir 3-4 jours. 4 jours, 3-4 jours semaine, c'est parfait, bah c'est bien. Je peux peut-être autre chose en fait de mon côté parce que. Bah, non, t'as raison, mais il faut. T'as bien raison. Mais c'est ce qu'il faut faire, je le fais aussi, hein, parce que si tu fais que ça tout le temps à la fin... C'est comme si t'es un petit peu, mais... C'est chronophage, hein, ça prend du temps. Ouais, c'est ça, en fait, entre autres, hein, j'ai besoin de faire une pause aussi. Ouais. Puis il y a eu l'enterrement, donc il faut que j'aille aussi, donc voilà. Non, t'as bien fait. Ouais, ok, va te reposer, c'est cool. Bon. Donc t'as vu, Mel, hein, ta prochaine voiture, tu mets la couleur comme nos voitures. Ouais. Choisis une que tu veux bien mettre dans ces couleurs-là.
comme déjà que j'arrive à trouver à parler voiture là. Faut que la bourse elle remonte. Bah, il faut travailler, il faut travailler. Fais du faut yellow, mec. Faut faire du yellow. Hein, c'est... Après, si, ah, tu, oui. si tu veux, on peut s'arranger. Tu vois, c'est genre, tu fais des bouteilles de whisky, tu nous les files, on les revend au Bruxelles et on s'arrange comme ça, quoi. Ouais, mais non, mais si on les revend au recel, il n'y aura pas l'argent, puisque on doit lui filer au minimum 12 $, et le recel, il achète bah que 20. Ouais, bah s'il vient avec, en me disant, voilà, écoute, j'ai 2000 bouteilles d'affaires au recel, je veux au recel, je les vends, et je me fais une marge de 5 par bouteille. Ouais, mais non, il a pas, il est mieux d'aller vendre au... Il y a une plus grosse marge pour le yellow. Au Comico, oui, mais qu'ils fassent du yellow classique, c'est pas grave. Ouais. Leur sel, c'est vraiment quand il faut remplir les caisses de l'orgueil. Pour l'instant, elles sont bien, donc okay. Ça va. Ça va, nickel. Oh, mais j'attends que la bourse elle remonte parce que je dois avoir 70 000 en attente là. Bah voilà. Parce que le. Bon, oui. Les gîtes, ils sont toujours les lockpicks ou pas? Oui, c'est par eux qu'il faut demander, mais il faudrait que tu leur demandes si on peut en acheter. Ça serait bien de commencer à faire des cambriolages. Ça va des cambriolages pour toi, Nel? C'est pas trop. Oh ouais, moi j'entends rien. Hein, c'est... Toi, c'est que la drogue. Hein. Je drogue, je veux pas. Et drogue et meurtre pour rien, oui, ça j'ai bien compris. Voilà. Enfin, enlèvement, tu vois, mais nous on n'est pas des mercenaires, donc on écoute, tout pour rien, il n'y aura pas de meurtre pour rien, il hein, y aura toujours une raison. Oh, mais quand c'est le genre, tu vois, on te paye 20 000, t'es un mec, genre. Voilà quoi. Bah, c'est quelle raison, hein. Oui, mais nous on fait pas ça, on n'est pas mercenaires, on fait pas des contrats comme ça. Ok. Bah, après toi tu peux le faire en freelance hein, si t'as envie, mais. Écoute, on verra. Oui, on verra. Bon, écoute, mais... je. Ouais. Je vais me coucher. Va faire dodo. Et on se voit jeudi alors. Je passerai peut-être par les gîtes pour voir pour les cloques. Ok. Et on se voit peut-être jeudi, hein. Ok. Ouais, tu me tiens au courant pour les locks, alors si tu... Ouais, tu peux en commander, hein. Je vais voir avec eux comment ils le feraient. Enfin, si je les vois, si je les croise au passage, parce que je vais voir en fait au... Ok. De la côté, s'ils sont là. S'ils sont pas là, c'est pas grave. Je vais aller. Ok, ça va. Ouais, parfait. Ça va, on fait comme ça. Bon, donc, plus tard, on se voit jeudi, alors. Hein. Ça va ? Plus tard, jeudi. Repose-toi bien. Ouais. Merci. Hein. Salut. Repose-toi, ouais. Ciao. Je vais rentrer le véhicule et on va débrief. Bref, petit débrief. Alors, je vais refaire des lives, pas plus, je vais essayer. Je suis un peu pas motivé pour faire 50 lives par jour en fait, parce que ça fait beaucoup.
tous les jours, ça fait un peu trop. J'ai un peu trop fait live. Je me suis pris 2 semaines parce que justement j'étais trop fatigué. Et au final, enfin, je me suis pris 2 semaines parce qu'il fallait que je parle 2 semaines parce que le taf de base et que j'avais besoin en fait de faire une pause colossale. Là, je suis remotivé pour faire du live. Je te base. Si j'ai mon taf qui reprend aussi en même temps à partir d'aujourd'hui, demain pas de live, mercredi pas de live non plus, jeudi je refais un live, ils vont ordinairement aussi avec Grégory. Normalement, si tout se passe bien, si j'ai pas de changement personnel qui change, qui modifie mon planning, donc jeudi vendredi live avec Grégory. Sinon live peut-être samedi si j'ai motivation, si avec Grégory, ou si j'ai motivation avec Minecraft, parce que j'ai envie de faire un live Minecraft et j'ai envie de faire d'autres jeux parce que j'ai envie de changer un petit peu. Donc voilà. Sinon, ben moi je vous laisse. Merci d'avoir assisté pour exister, merci pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Nouvelle saison, Gregory, qui se lance dans la salle, dans le bâchiment. Et je vais essayer de faire un peu plus de trucs, un peu plus illégal, et lancer un petit peu là-dedans. Ça peut être sympa. Bon, sinon,